La séance est ouverte. Bon, j'espère, mes chers collègues, que la nuit a été réparatrice. En tous les cas, elle semble l'avoir été pour M. Le Fur, qui souhaite, si j'ai bien compris, déjà un rappel au règlement. Mais je vous rappelle aux uns et aux autres que l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Monsieur Le Fur. Pour un vrai merci, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président, pour un vrai rappel au règlement qui a deux objets. D'une part, pour vous exprimer mes respects du matin, de manière très républicaine. D'autre part, pour m'interroger sur les conséquences financières du coût du prolongement de nos travaux le soir, le samedi, le dimanche. Nous avons la chance de disposer parmi nous de la présence du premier questeur, donc qui pourra très clairement nous dire ce qu'il en est. Je vous rappelle que nous avons tout notre temps. Le vote est prévu le 12 et il pourra être reporté. Je sais que le mois de février est un mois un petit peu court, mais malgré tout, on peut l'utiliser complètement. Donc je souhaiterais, en tout état de cause, que nous disposions d'une manière précise, concrète, des conséquences financières pour notre Assemblée et, en dernière analyse, pour le contribuable, du fait de prolonger nos travaux tard dans la nuit et y compris le samedi et le dimanche. Pardonnez-moi pour ce véritable rappel au règlement. Monsieur Le Fur, pour que les choses soient bien claires et comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire en conférence des présidents et devant le bureau, l'Assemblée pendant 5 ans ne demandera pas 1 euro supplémentaire pour son fonctionnement au budget de l'État. Donc après à nous de bien veiller à la répartition de ces crédits, mais croyez-moi que malgré votre effort dominical, cela n'aura pas de conséquence sur l'augmentation du budget de l'Assemblée. Et nous en venons à l'amendement numéro 5039. Madame Narasiga, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai déposé cet amendement au nom de tous les députés socialistes représentant les Français à l'étranger. Et bien sûr, avec le soutien du groupe SRC, l'objectif, nous en avons déjà parlé auparavant, est de permettre à tous les Français d'avoir accès à ce droit fondamental qui est le droit de se marier, quel que soit l'endroit où ils vivent, et donc y compris à l'étranger. Et je veux d'ailleurs saluer ici le fait que cette préoccupation dépasse les clivages politiques, puisque nous avons eu des amendements avec le même objectif, venu de Sergio Coronado et de Claudine Schmitt, qui a d'ailleurs déposé un sous-amendement. L'idée ici est de permettre aux Français qui vivent à l'étranger dans des pays où le mariage entre homosexuels n'est pas autorisé et où les consulats ne peuvent pas célébrer ces mariages et qui donc n'ont aucune possibilité de se marier là où ils habitent, de pouvoir venir en France pour se marier dans une commune de rattachement qui serait leur commune de dernière résidence et uniquement à défaut, donc uniquement pour ceux qui n'ont jamais vécu en France, de pouvoir se marier dans une commune de leur choix. Donc voilà l'objet de cet amendement. Merci. Merci madame. Avis de la commission. Ah oui, pardon. Puisqu'on a signalé qu'il y avait eu ce travail avec Madame Schmitt, je propose de vous donner la parole pour défendre votre sous-amendement. Merci, Monsieur le Président. Donc, mon sous-amendement vient dans le même esprit que l'amendement que j'avais déposé précédemment. Il vise à élargir la dernière résidence de l'un d'eux, qui est très restrictif pour un Français de l'étranger, car ça peut être la dernière résidence des parents, où beaucoup de Français de l'étranger n'ont jamais vécu en France. Donc l'élargir à la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux, ou de ses parents ou de ses grands-parents, ce qui correspond également à l'esprit du code électoral pour nous inscrire sur la liste électorale. Donc voilà, je souhaiterais l'élargir afin que, à défaut, dans toute autre commune, soit vraiment restrictif. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission sur le sous-amendement et donc sur l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Seconde, pour que nous puissions avoir les 5 minutes. Sur le vote du sous-amendement 5369, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, Monsieur le rapporteur, mais maintenant vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme l'a dit Madame Narasiguin, ce,
Cet amendement a pour objectif de permettre le mariage aux couples français qui ne vivent pas dans notre pays, mais qui vivent à l'étranger. C'est un amendement très utile. Je signale, effectivement, Madame Schmitt l'a souligné, l'intérêt de son sous-amendement qui permet notamment d'ouvrir... Et c'était un souci partagé par Sergio Coronado qui, vous le rappelez, a retiré son amendement en début de nos travaux au profit de celui de Madame Nara Siguin. L'objet de votre sous-amendement, Madame Schmitt, qui s'inspire des conditions d'inscription par les expatriés sur les listes électorales françaises de l'article L12 du Code électoral, mais aussi qui fait écho, ce qui n'était pas forcément prévu, à l'adoption de l'amendement de M. Pélissard sur la possibilité de se marier dans des communes de ses parents. Cette précision est extrêmement utile et du coup donne un éclairage et une précision et donc s'avère être beaucoup plus profitable, on va dire, pour les étrangers vivant en dehors de notre pays. Donc évidemment, la commission... Les Français vivant à l'étranger. Pour cette raison, il y a un avis favorable de la Commission sur le sous-amendement et sur l'amendement, bien évidemment. Quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, nous avions commencé effectivement cette discussion à la faveur de l'amendement qu'avait déposé Madame Schmitt, et que nous l'avions invité à retirer au bénéfice de cet amendement qui venait par la suite et que nous aurions souhaité voir justement un peu plus précisé. Alors c'est un travail tout à fait intéressant parce qu'il a été effectué suite à l'alerte de Madame Nara Siguin dès le mois de juillet sur ce sujet, de Monsieur Coronado peu de temps après, et Madame Schmitt nous a fait savoir l'importance qu'elle accordait à la réponse en droit qui pouvait être apportée à la situation de ces Français qui résident dans des pays qui ne reconnaissent pas le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, qui souhaiteraient pouvoir, eux, contracter mariage et qui, donc, grâce à cet amendement sous-amendé, pourront le faire ici. Évidemment, la question se posait de leur lien maintenu et du lieu de célébration possible. L'institution du mariage suppose la possibilité de vérification des interdits notamment. C'est la raison pour laquelle il y a un ancrage géographique prévu pour la célébration du mariage et la publication des bans. Et pour cette raison, il était important de trouver une formule tout en étant conscient du fait que certains de ces Français pouvaient avoir été éloignés de la France pendant un temps et qui n'avaient peut-être pas eu récemment une commune de résidence. Cet amendement, sous-amendé par les dispositions précisées par Madame Schmitt, permet de répondre de façon optimale à cette préoccupation et pour cette raison, le gouvernement émet un avis favorable. Merci. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, merci. Bon, vous voyez que nous sommes des gens de bonne composition. Non, mais attends, mais mes chers amis, s'il vous plaît, mes chers collègues, il n'y a aucune... Il est 17h07. Vous noterez, Monsieur le Président, que mes propos sont sur un ton très calme, serein. C'est la torpeur dominicale. Oh, allez, les cloches, oui, écoutez... Non, j'ai cru, chers collègues, que vous nous traitiez de cloches. Mais non, vous voyez bien que nous en sommes qu'à un ton badin. Et alors, vous me laissez, du coup, Monsieur le Président, une Monsieur excellente Gosselin occasion. Et lui seul à la excellente parole. Occasion. Là, je ne peux pas faire autrement pour éclairer notre collègue Coronado et chacun pourra apprécier ici la qualité made in France. Saluer hier à Notre-Dame l'arrivée des cloches qui ont été fabriquées dans la Manche, dans la belle cité de Villedieu-les-Poêles. Merci, je te paye un café pour m'avoir permis cette page de reconnaissance et non de publicité. Merci, Monsieur Sergio Coronado. Ceci étant, je reviens, et hors des comptes de temps, Monsieur le Président, à la bonne volonté que manifeste l'opposition. Parce que reconnaissez quand même que nous sommes en train...
conjointement de vous améliorer substantiellement quelque chose que nous combattons. Nous vous améliorons substantiellement quelque chose que nous combattons, puisque ce texte permet d'avoir une sécurité juridique pour les couples de même sexe à l'étranger, lorsque le mariage ne pourrait pas être célébré dans les conditions rappelées dans l'amendement. Pour ces raisons, et parce que nous aimons la mécanique juridique et les choses régulièrement agencées, nous ne voterons pas contre, évidemment, mais à titre personnel, je m'abstiendrai. Voilà. Merci. La position qui vraisemblablement sera la position majoritaire du groupe UMP. Merci. Alors, il y a une position du groupe et votre position personnelle. La position du groupe est de soutenir les auteurs de l'amendement et du sous-amendement, mais il se pourrait que mon abstention personnelle en entraîne à d'autres, Monsieur le Président. D'accord. Très bien. Monsieur Serge Janquin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il ne s'agit pas sur une question comme celle-là de composer simplement. Il s'agit d'aller à l'égalité des droits et à la sécurité de nos concitoyens et de leurs conjoints. Je me suis trouvé l'an dernier au titre de l'Union interparlementaire en Ouganda. Notre délégation était conduite par Michèle André, sénatrice socialiste, et par Michel Delpiccia, qui est l'un de vos collègues sur les bancs de l'UMP. Nous avons eu, avec les délégations occidentales, à croiser le fer avec la présidente de l'Assemblée nationale de l'Ouganda, qui veut délibérément, obstinément, infliger la peine de mort aux homosexuels. Vous rendez bien compte que dans ces conditions, pour nos concitoyens qui résideraient en Ouganda, Écoutez, le projet d'un mariage avec un citoyen ougandais, ce serait les exposer dans leur sécurité, dans leur vie, l'un et l'autre, aux règles que la présidente de l'Assemblée nationale ougandaise veut faire établir. Il est par conséquent de l'impérieuse nécessité collective d'assurer la protection de nos concitoyens au regard de l'égalité des droits, et je voterai résolument cet amendement. Merci. Monsieur Coronado. Oui, nous avions en effet voté l'amendement présenté par ma collègue Schmitt, car nous partagions le souci qu'elle exprimait, en fait, de garantir cette liberté fondamentale que de permettre à l'ensemble des Français de pouvoir accéder au mariage, et notamment aux Français établis hors de France, et en l'occurrence avec quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Je me félicite effectivement que, après ce vote, alors que nous avions même une réserve sur la formulation de son amendement, un travail ait pu être fait pour aboutir à un consensus. Si je vois et si je crois les paroles de mon collègue Gosselin, je me félicite en effet que le groupe socialiste ait été sur cette question. Et il ne l'est pas toujours sur les autres. Très ouvert à un travail commun, et je vois que quand l'Assemblée nationale travaille sans sectarisme et avec une volonté de construction, on arrive parfois à voter ensemble au bénéfice et pour l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. Nous voterons donc cet amendement. Merci. J'ai eu l'impression que vous étiez en train de dire que l'Assemblée était traversée par de bonnes ondes. Mais enfin... Alors... Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je rappelle que je mets aux voix le sous-amendement 5369. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 208, suffrages exprimés 190, majorité absolue 96, pour 184, contre 6, l'Assemblée a adopté. Je mets donc aux voix l'amendement 5039 ainsi amendé. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Il est adopté. Nous en venons à l'article additionnel avant l'article 1 bis.
Donc nous en revenons à la suite de la discussion des amendements portant l'article additionnel avant l'article 1er bis. Et une série d'amendements pouvant être soumis à une discussion commune, dont quelques amendements identiques. Je donne la parole à Monsieur Gosselin pour le 2714. Alors je vais essayer, Monsieur le Président, d'avoir des ondes positives ou en tout cas le plus neutre possible pour ne pas charger d'électricité cette assemblée qui me semble démarrer ce matin sous un climat favorable et serein, et on va tous s'en réjouir. Donc très, très calmement et très, très sereinement, rappeler que nous avons ici un projet qui, au-delà du mariage de couples de personnes de même sexe et de l'adoption, qui encore une fois ne figure pas dans le titre lui-même, ce qui est assez curieux, s'envisage dans un cadre beaucoup plus large, puisque le gouvernement a annoncé qu'au mois de mars, il présenterait en Conseil des ministres un projet lié aux droits de la famille et que ce projet intégrerait la PMA. Donc vous comprenez pourquoi, même s'il y a deux textes, nous lions la globalité du projet. Je crois qu'on ne peut examiner les pièces les unes après les autres, qu'il convient d'avoir une vision très globale. Et cet amendement vise à préciser que seuls les couples de personnes de sexe différent, mariés ou vivant en concubinage, peuvent recourir à une assistance médicale à la procréation. Je crois que l'assistance médicale à la procréation résume parfaitement les choses. Il s'agit de lutter contre l'infertilité des couples hommes-femmes et nullement d'aller au-delà. Si nous devions aller au-delà, il y aurait évidemment une modification des règles de filiation. Les États généraux que nous avions déjà demandé sur ce texte n'ayant pas été réunis, nous serions en contradiction avec la loi, et notamment la loi de révision de bioéthique. Donc nous souhaitons, merci, pour lever toute ambiguïté, que cet amendement puisse être voté. Merci. L'amendement 3045 n'est pas défendu, le 3403 n'est pas défendu, le 4789 n'est pas défendu. Et nous en venons au 1596 de Monsieur Poisson. Merci, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour Mesdames les Ministres, mes chers collègues. Je poursuis, s'il me le permet, l'explication de notre collègue Philippe Gosselin, en rappelant effectivement que, jusqu'ici en tout cas, bien sûr personne ne conteste sur ces bancs la possibilité pour les couples infertiles de recourir à l'assistance médicale à la procréation. C'est même précisément ce qui est aujourd'hui l'état du code de la santé publique. Et c'est le consensus auquel jusqu'ici, en tout cas, les différentes majorités sont parvenues en faisant de cette infertilité la raison de l'accès à l'assistance médicale à la procréation. Sur un sujet de cette gravité, compte tenu du débat que nous sommes en train d'avoir, en assumant parfaitement, Madame la Ministre, les positions qui sont les nôtres, nous avons voté contre l'article 1 hier matin. Il n'y a aucune espèce d'écran de fumée sur les positions que nous tenons. Nous souhaitons effectivement qu'ils, par cet amendement, renforcer les dispositions actuelles et faire en sorte qu'il soit plus difficile d'ouvrir ou d'élargir l'assistance médicale à la procréation à d'autres motifs que ceux pour lesquels elle est aujourd'hui ouverte, c'est-à-dire l'infertilité. Et un point, c'est tout. J'ajoute que sur ce sujet, pour conclure, Monsieur le Président, le nouveau président du Comité consultatif national d'éthique déclarait hier dans une interview au Monde que sur cette question, la tenue d'états généraux était très nécessaire. Donc j'en profite pour rappeler cette nécessité et demander au gouvernement de veiller à ce que ces états généraux soient organisés. Merci, Monsieur Darmanin, pour le 2986. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'amendement vise effectivement pour les couples de même sexe, liés ou non à un contrat, de ne pas recourir à la PMA. Finalement, hier soir, nous nous sommes quittés sur un dialogue entre la majorité et le gouvernement, sans que l'opposition puisse s'exprimer, puisqu'il était intéressant, mais il n'était pas vraiment un débat. Monsieur Coronado, vous déposez des amendements, Madame la Ministre, vous répondez fort intelligemment, bien sûr, comme elle le fait toujours, et vous retiriez votre amendement. Et hier soir, à 2h du matin, Monsieur le Président, je n'ai pas eu l'autre cuidance de vous demander un rappel au règlement pour vous préciser que ce n'était donc pas l'opposition qui parlait de la GPA,
qui introduisait la GPA dans le débat sous prétexte que ça n'avait rien à voir, c'était bien les membres du groupe Vert qui jusqu'à présent font partie de la majorité parlementaire. Ce n'est pas... Mais oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que ça dépend des dossiers. Vous avez raison, M. Coronado. Oui. Voilà. Ce n'était pas non plus l'opposition qui a pris la circulaire de Mme le ministre. Et aujourd'hui, la PMA, effectivement, nous en discutons parce qu'un certain nombre de voix, y compris de la part du gouvernement, je rappelle qu'encore une fois, Mme Fourdeyron, ministre de la Jeunesse, médecin, se dit hostile à la PMA, alors que d'autres membres du gouvernement, qu'ils fussent simples députés ou qu'ils soient désormais ministres, sont déclarés favorables. Je voudrais simplement dire que nous pourrions adopter cet amendement pour répondre à l'interrogation de M. Roman, qui nous disait finalement ce qui vous gêne de manière générale, c'est le mariage. Oui, M. Roman, le mariage homosexuel, personnellement, je n'y suis pas favorable. Mais ce qui gêne encore plus nos concitoyens, Mme Bertinotti, dans un accès un peu étonnant, nous a lu des sondages entre catégories d'âge, où certains seraient favorables, d'autres ne le seraient pas, et il faudrait être du côté du progrès, comme dans les bons westerns, il y aurait les bons et les méchants. Je pense que ce qui gêne encore plus nos concitoyens, M. Roman, c'est effectivement l'adoption, la PMA et la GPA. Et adopter cet amendement montrerait qu'effectivement ce texte n'a rien à voir avec la PMA et la GPA, ce que vous nous répétez depuis le début, et savoir que l'enfant don ne serait plus un enfant dû. Merci. Avis de la Commission sur ces différents amendements. Merci, Monsieur le Président. L'avis est défavorable. Nous avons toute une série d'amendements... sur l'AMP, donc je pense qu'à travers les avis, à travers la position du gouvernement, nous aurons l'occasion dans les minutes, peut-être les heures qui viennent, de développer le sujet très rapidement. Néanmoins, et tout d'abord pour répondre à M. Poisson, les états généraux ne sont pas nécessaires, ne seraient pas ou ne seront pas nécessaires pour ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, dans la mesure où, et je l'ai rappelé dans l'article hier, les états généraux interviennent dès lors qu'il y a de nouvelles techniques dans notre champ scientifique, et en l'occurrence l'AMP n'utilise pas de nouvelles techniques. Nous ne sommes pas ici en train de réfléchir sur la possibilité de mettre à disposition de nos concitoyens de nouvelles techniques de procréation. Il s'agit de permettre à une partie de la population d'accéder aux techniques aujourd'hui ouvertes à notre partie, à la majorité de la population. Voilà pour la réponse concernant les états généraux. Je l'ai dit dans le rapport et je le redis, et nous aurons, comme je l'ai dit, l'occasion de le développer. L'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes est très lié, très imbriqué à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. C'est notamment en regardant ou en observant les pays étrangers qui ont ouvert le mariage aux couples de même sexe que cette idée s'impose. C'est aussi un enjeu de cohérence, un enjeu sanitaire, un enjeu de santé publique. La PMA, dans ces conditions, ne peut pas être réservée au seul couple hétérosexuel et nécessitera un changement, évidemment, de notre droit dans les mois à venir. Naturellement, on l'a toujours dit, c'est pas une surprise, Monsieur Breton. Et donc, pour cette raison, la Commission a donné un avis défavorable à ces amendements. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame Clergeot, rapporteur pour avis. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il est vrai que nous n'avons pas pu échanger longuement en commission des affaires sociales sur la PMA, puisque les députés de l'opposition ont préféré quitter la séance rapidement, partant du principe que ce n'était pas à eux de légiférer, mais c'était au peuple de décider de ce texte de loi. C'est bien regrettable. Ceci étant, dans le rapport qui a été fait, nous avons bien sûr parlé de la PMA. Et je crois que, bien que ça ne concerne pas directement le texte de loi dont nous discutons aujourd'hui, il faut sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous trouvons actuellement. Comme je l'ai écrit, comme je l'ai dit, je souhaite, et le groupe socialiste d'ailleurs le souhaite également, que l'assistance médicale à la procréation soit ouverte aux couples de femmes au nom de l'égalité des droits entre couples homosexuels et hétérosexuels. Je vous disais, il faut sortir de l'hypocrisie où nous sommes actuellement. C'est vrai que vous connaissez des couples de femmes qui partent à l'étranger pour pouvoir accomplir le projet parental.
c'est quelque chose qui est très injuste socialement, dans la mesure où elles partent, elles y vont parfois plusieurs fois. Cela représente un coût très important par rapport à leur budget financier. Ensuite, le médecin qui a procédé à l'insémination artificielle en Belgique, par exemple, ou en Espagne, est en contact régulier avec le médecin en France. La femme accouche en France. Enfin, vous voyez bien, qu'il faut que nous puissions sortir de cette situation où quand les femmes n'ont pas les moyens financiers, ou quand les femmes n'ont pas les moyens financiers, elles ont recours à des rencontres occasionnelles ou à l'achat de sperme sur Internet. D'ailleurs, vous l'avez évoqué hier dans l'exposé de certains de vos amendements. Donc, vous le dites vous-même qu'il faut trouver d'autres solutions que celle-ci, sachant qu'il y a derrière des risques sanitaires et des pratiques dangereuses. Pratiques dangereuses, je vous rappelle, que nous avons d'ailleurs connues lorsque l'avortement était interdit. Donc, nous souhaitons que l'ouverture de la PMA aux couples de femmes soit discutée, bien sûr, dans le cadre du futur projet de loi relatif à la filiation annoncé par le gouvernement, qu'il n'y a pas de lien direct avec l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, et que nous souhaitons que la PMA soit ouverte aux couples de femmes, mariées ou non, et nous aurons des débats à ce sujet d'ici dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, je voudrais dire en conclusion que certains pays comme l'Espagne ont ouvert l'accès à la PMA, aux couples de femmes bien avant de leur permettre de se marier. Merci. Merci. Sur le vote de l'amendement 2714, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Avis du gouvernement, Madame Bertinotti. Monsieur le Président, je voudrais répondre sur la nature de ces amendements. Moi, je trouve que on est en train de vivre quand même une situation assez cocasse, puisque, que je sache, aujourd'hui, la PMA est déjà réservée aux couples hétérosexuels, et on peut se demander qu'est-ce que vous voulez de plus. Et moi, je pose la question, parce que j'ai essayé de comprendre, au-delà de la chose évidente que vous voulez instruire, c'est qu'au fond, si on lit vos amendements, ça voudrait dire qu'en plus, il faudrait que ces couples qui ont déjà l'autorisation d'avoir accès à la PMA, devront-ils fournir la preuve de leur hétérosexualité ? Car c'est bien de cela dont il s'agit derrière ces amendements. Et enfin, on voit même apparaître dans un autre amendement. Mais non, c'est tout à fait ça. C'est derrière cela, c'est ça. Et il y a même un amendement. Et il y a même un amendement qui traite de la même chose. Et je vous pose la question, voulez-vous que le médecin qui accompagne ces couples souffrant d'infertilité ou d'un risque de maladie génétique grave, leur demande solennellement si par hasard ils ne seraient pas homosexuels, puisque vous remettez en doute. Merci, Madame la Garde des Sceaux. S'il vous plaît, il y a assez d'amendements, vous allez pouvoir intervenir, donc ce n'est pas la peine de couper comme ça. Ça hache le débat et ça ne rend pas le débat très agréable. Alors, Madame la Garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation sont contenues, vous le savez, dans le Code de la santé publique. Et leurs conséquences, en matière de filiation sont effectivement contenues dans le Code civil. Le texte sur lequel nous travaillons, qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, n'a aucun impact, aucune influence, ni sur les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation indiquées dans le Code de la santé publique, ni sur les conséquences en matière de filiation énoncées dans le Code civil. Par conséquent, cet amendement est totalement, absolument un cavalier, et ce serait en l'introduisant dans le texte que nous introduirions ce que vous affirmez, ce que vous prétendez, depuis 4 jours, la PMA. Donc la PMA est complètement hors sujet, complètement hors champ. Ben, vous aurez l'opportunité d'en débattre. Et connaissant votre ténacité, je ne doute pas que vous assurerez une assiduité aussi constante qu'ici. Voilà, donc le gouvernement est défavorable parce que ces amendements n'ont vraiment aucun sens dans ce texte. Monsieur Mamère.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce sujet est effectivement très intéressant puisqu'il pose des problèmes philosophiques, des problèmes d'éthique et des problèmes juridiques. Le groupe auquel j'appartiens n'est pas d'accord avec les arguments qui viennent d'être invoqués par Madame la Garde des Sceaux, puisque nous serons appelés avec notre collègue Marie-Georges Buffet à déposer un amendement ouvrant la procréation médicalement assistée à des couples homosexuels. Je pense que ça mérite mieux que ces interruptions, parce qu'on pourrait profiter de ce dimanche pour essayer de débattre sereinement avec des arguments convaincant ou pas, en tout cas avec des arguments sérieux, sur un sujet qui, en fait, concerne le modèle de la famille et la question de la filiation. On peut être d'accord avec les arguments invoqués, notamment, elle n'est pas la seule, par Madame Agacinski, sur la question de l'asymétrie des sexes et sur la question de savoir si le donneur est simplement un outil biologique ou une personne. On peut être d'accord avec les théories développées par un philosophe auquel nous sommes beaucoup plus attachés qu'à Madame Agacinski, qui s'appelle Hans Jonas et qui a fixé le principe responsabilité, ou le principe de responsabilité notamment sur sa progéniture. On peut être d'accord avec les théories développées par les héritiers de Jacques Ellul sur la question de l'autonomie de la technique et sur la question de savoir si le droit doit suivre le progrès technique et en particulier le progrès médical. Ce qui pose effectivement des problèmes philosophiques. On n'est pas obligé de les évacuer et on peut très bien en discuter ici, sereinement, en sachant quel but nous poursuivons. Le but du législateur, puisque nous ne sommes que cela, et il faut avoir conscience de nos limites, c'est précisément de fixer un cadre. C'est aussi de permettre, pardonnez-moi, de sortir de l'hypocrisie. Aujourd'hui, un enfant né par PMA, et mon collègue Alain Claïès ne me démentira pas, puisqu'il était président de la mission de révision des lois bioéthiques, aujourd'hui un enfant né par PMA n'a pas le droit de connaître ses origines. Or, tous autant que nous sommes, quelles que soient nos options confessionnelles ou politiques, nous sommes animés par cette question qui est essentielle à l'espèce humaine, à qui dois-je naître né ? Nous n'avons pas voulu, moi je faisais partie de ceux qui le proposaient, la mission de révision des lois bioéthiques a refusé à ces enfants qui ont des pères et des mères sociaux de connaître leurs origines biologiques. Donc nous fonctionnons déjà dans une hypocrisie. En Suède, ça fonctionne, ça n'a pas empêché la PMA et ça n'a pas nuit à la procréation médicalement assistée, et c'est sans doute la sortie d'une certaine souffrance pour un certain nombre d'enfants. Donc la question, elle est la suivante. Elle est de se dire, jusqu'à quelle limite doit-on pousser la question de l'égalité des droits ? Nous faisons partie de ceux qui pensons que la procréation médicalement assistée doit sortir de ce que l'on appelle l'exception thérapeutique, c'est-à-dire la lutte contre la stérilité, pour permettre à des hommes ou à des femmes qui veulent fonder une famille de pouvoir le faire. Je sais, vous allez nous dire, vous allez me citer des exemples, et ces exemples ne valent pas modèle, certes. Mais je dois rappeler que si la Belgique a mis 10 ans après le vote sur le mariage, 10 ans pour accepter l'adoption, ça fait 30 ans qu'elle accepte la procréation médicalement assistée. Donc je pense que nous devons réfléchir à cette question. Nous n'avons pas résolu le problème, mais nous apportons notre contribution. Et notre contribution, c'est de dire oui à la procréation médicalement assistée. Et nous ne considérons pas que l'amendement que nous proposons est un cavalier, mais qu'il fait partie pleine et entière de cette projet de loi. Madame Marie-Georges Buffet. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, en ouvrant le mariage à tous et à toutes, aux couples homosexuels, nous posons bien évidemment la question du droit à fonder une famille et les questions de filiation. Lorsqu'on regarde le droit établi à la procréation médicalement assistée, il y a des conditions à ce droit. Un projet commun, un engagement des deux membres du couple par rapport à l'enfant à naître. Je ne vois pas dans ces conditions émises par la loi, par les lois bioéthiques, ce qui ferait obstacle à la PMA pour les couples de femmes homosexuelles.
On nous avance souvent l'argument, c'est un outil thérapeutique. Mais je vais prendre l'exemple de l'avortement. À l'origine, on autorise l'avortement pour des raisons médicales. Et puis, cet instrument thérapeutique, petit à petit, est affirmé comme un droit pour les femmes à la maîtrise de leur corps. Et nous sommes aujourd'hui satisfaits de voir que l'IVG est remboursé à 100%. Donc on a bien eu cette évolution, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'avoir pour la PMA. Dernier élément que je voulais avancer, c'est cette répétition de nos collègues de l'opposition de vouloir absolument lier la PMA et la GPA au nom de l'égalité. C'est à ce moment-là que vous nous parlez de l'égalité, quand vous faites ce lien. Et vous nous parlez également très souvent de l'altérité des sexes. Et bien justement, la grande différence, c'est que dans la GPA, on utilise le corps d'une femme et souvent on marchande le corps d'une femme. Alors que si on ouvre la PMA à toutes les femmes qui le souhaitent, tout simplement, la femme porte son enfant. C'est une grande différence entre la GPA et la PMA. Vous ne pouvez pas mettre égal entre ces deux pratiques. Et dernière chose que je voudrais vous faire remarquer, dernière chose, chers collègues de l'opposition, vous ne pouvez pas d'un côté nous dire il faut réunir, faire des états généraux du conseil consultatif de la bioéthique et nous avancer plein d'amendements qui a priori interdisent l'ouverture de la PMA à tous les couples. Merci, monsieur Aubert. Merci, monsieur le Président. Alors, tout d'abord, une question de principe. On ne peut pas reprocher à l'opposition d'être toujours conservatrice, accrochée au passé, et en même temps, lorsqu'elle essaye d'aborder des questions d'avenir, de lui dire « Ah ben non, c'est pas le sujet, c'est pas le moment », parce que visiblement, on n'est jamais dans le bon cadre spatio-temporel. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les théories équestres de madame le ministre de la Justice. Sur les notions de cavalier, si j'ai bien compris, quand les députés du Parti Socialiste proposaient d'autoriser la PMA par amendement, ce n'était pas du tout un cavalier, mais quand l'opposition veut s'y opposer, alors là, il faudrait limiter le droit d'amendement. Ensuite, un autre point de principe. Il ne faudrait quand même pas mélanger. J'entends des fois un argumentaire qui consiste à dire « la réalité, c'est qu'il existe des gens qui vont à l'étranger aujourd'hui ». Certes, ils sont donc dans l'illégalité. Ils sont donc aujourd'hui dans l'illégalité, ce n'est pas autorisé en France, et ils contournent le droit national. Alors, vous avez le droit de prendre la défense des gens en situation illégale. Ça existe lorsque certains d'entre vous prennent la défense des clandestins ou prennent la défense d'autres personnes qui contournent la loi. Néanmoins, aujourd'hui, la loi, tant qu'on ne l'a pas changée, ça va prendre peut-être quelques jours, mais il faudrait avoir un peu de respect pour elle. Bon. Sur le point du principe également, pourquoi nous sommes opposés? Parce que ce qui définit la notion de droit, justement, elle vient de notre héritage philosophique, culturel et historique judéo-chrétien, qui fait de l'homme la nature consciente de la société et qui fonde la notion qu'il est des droits. Faire de l'homme un objet, c'est nier fondamentalement les bases de la civilisation dans laquelle nous vivons. Parce que la base de ce que vous affirmez, c'est-à-dire le fait qu'un homme puisse avoir des droits, c'est le fait que l'homme soit un sujet de droit et non pas un objet de droit. Ensuite, j'ai entendu Madame le ministre des Familles nous expliquer qu'il y aurait un problème sur qu'il faudrait demander aux gens est-ce que vous êtes homosexuel ou pas. Mais madame, à partir du moment où la PMA aujourd'hui est autorisée aux femmes si elles sont stériles, si demain vous ouvrez la PMA pour les couples lesbiens, il faudra donc que ces femmes lesbiennes qui ne sont pas stériles disent « moi, je suis lesbienne, donc j'ai droit à la PMA ». Puisque vous aurez une inégalité juridique entre les couples hétérosexuels qui n'auront droit à la PMA que pour des raisons de stérilité et les couples homosexuels qui auront un droit plein. Par conséquent, vous créerez une inégalité. Voilà. Et comme le temps manque, désolé monsieur le Président, je crois que nous sommes là où les Athéniens s'atteignirent. Nous verrons si les députés PS qui étaient contre la PMA dans ce texte voteront pour cet amendement. Nous verrons s'il vous reste un peu de liberté de conscience. Monsieur Touré. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, nous sommes totalement opposés à tous les amendements qui visent
soit restreindre la PMA, soit étendre la PMA. Et nous y sommes opposés parce que nous estimons que ce sont des amendements qui sont pris à la sauvette, qui ne bénéficient d'aucune étude d'impact, d'aucun avis du Conseil d'État et d'aucune analyse véritable qui aurait pu être faite auprès du Comité national d'éthique. Par ailleurs, le problème qui se pose réellement pour avoir reçu dans notre groupe le professeur Friedman, qui nous a rappelé que 200 000 enfants étaient nés par PMA, qu'il y avait à peu près 20 000 enfants par an qui actuellement naissaient par PMA, quel est le problème? C'est que les femmes qui ont besoin, pour des raisons médicales, d'avoir recours à la PMA, doivent attendre actuellement 18 mois à 2 ans. C'est là le véritable problème qui se pose. Alors ma pensée va d'abord vers ces femmes, c'est pourquoi nous refusons tous ces amendements. Merci. Monsieur Jean-Pierre Door. Oui, monsieur le Président, je voulais simplement répondre au rapporteur tout à l'heure qui disait que des états généraux pour la PMA ne sont pas nécessaires. Notre collègue, monsieur Touré, vient d'évoquer le professeur Friedman. Lui-même vient d'écrire un livre qui s'appelle « Le secret des mères M-E-R-E-S ». Début février, qui est très intéressant. Et le professeur Friedman demande officiellement au gouvernement d'ouvrir éventuellement l'idée d'un plan national de la PMA, au même titre que le président Chirac avait fait le plan national du cancer et Nicolas Sarkozy le plan national d'Alzheimer. Donc je demande effectivement au gouvernement d'avoir cette réponse au professeur Friedman, qui est quand même le père de la PMA et du bébé éprouvette, qui est notre spécialiste français, de satisfaire sa demande et d'ouvrir un plan national sur la PMA. Merci. Madame Cécile Untermeyer. Merci, monsieur le président. Alors, ainsi que l'a dit le gouvernement, la PMA n'est pas le sujet du projet de loi. Son contour est clair. Mariage, adoption. La PMA n'est pas la conséquence directe et certaine d'un mariage, au même titre que la procréation n'est pas la conséquence directe, certaine et exclusive du mariage, vous en conviendrez. D'ailleurs, c'est le Code de la santé publique qui dispose de la PMA. Ce n'est pas le Code civil, ni le Code de la famille. Donc c'est d'abord une question médicale, sanitaire, et c'est bien sûr une question sociétale que nous avons voulu poser. Nous l'avons évoquée dans le cadre du projet de loi sur le mariage pour tous, et nous l'avons écartée du champ de cette loi parce que nous considérions évidemment que ce n'était pas le sujet. Alors, le comité technique va se réunir, nous aurons un large débat, vous pourrez revenir sur cette question. Épargnez-nous d'y revenir là pour le moment, parce que nous tournons en rond sur cette question. S'il vous plaît, Monsieur Gosselin. L'entrée de la PMA, c'est certainement l'égalité, mais ainsi que le disait Madame Buffet, je pense aussi que l'entrée, c'est aussi par les femmes, en dehors du couple. L'entrée de la PMA, ce n'est pas uniquement le couple marié hétérosexuel pour le moment, c'est le couple, quel qu'il soit, concubin, paxé ou vivant ensemble. Donc, c'est la femme, c'est le couple, marié ou non, et c'est dans ce cadre-là que nous porterons le débat lorsque le gouvernement nous y invitera dans les prochains mois. Merci, madame. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 2714 et identique. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 296, suffrages exprimés 296, majorité absolue 149, pour 99, contre 197. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je mets aux voix maintenant l'amendement 1596. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Il n'est pas adopté. Le 2986, quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Il n'est pas adopté. Monsieur Le Fur. Oui, merci. Très précisément pour vous remercier d'avoir accordé du temps, et vous avez bien fait, à notre collègue Noël Mamère pour exprimer sa position. Ça a eu le mérite de poser le débat.
parce que je veux vous dire une chose très simple, Monsieur le Président. Nous sommes sur un sujet complexe qui exige de la nuance. En 2 minutes, ce n'est pas possible. En 2 minutes, nous limitons ce débat à des slogans. Donc je vous prie, sur ces sujets de cette nature, il faut que nous puissions disposer de séquences de paroles un peu plus longues que 2 minutes. Sans ça, nous serons caricaturaux. Monsieur Le Fur, quitte à m'attirer le courroux du président de la commission des lois, j'ai essayé de laisser à chacun des orateurs, tout en signalant le moment où nous arrivions au bout des 2 minutes, un temps plus large pour, sur une question comme celle-là, permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Mais charge à l'ensemble de ceux qui interviennent après sur des sujets répétitifs de ne pas forcément être dans les 2 minutes. Ça arrangerait tout le monde. Amendement 2090, présenté par Madame Dalloz. Oui, merci Monsieur le Président. Depuis hier, sur le sujet de la PMA ou de l'AMP, je vous écoute attentivement. Et je constate qu'il s'agisse des prises de position ou des prises de parole et des réponses des ministres, on n'a pas vraiment de clarté sur le sujet. On sait par ailleurs qu'un certain nombre de ministres se sont positionnés dans la presse favorable à l'ouverture de la PMA pour les couples homosexuels. Hier, je passais dans la salle des quatre colonnes. Une députée de votre majorité a dit que le mariage pour tous était un premier pas, bien évidemment, mais qu'il n'était pas concevable de ne pas aller au-delà et de ne pas ouvrir la PMA aux couples homosexuels. Nous entendons, mais voilà, mais c'est la vérité. Admettez que nous puissions débattre et que nous puissions être inquiets légitimement de toutes vos déclarations. Alors le président de la République, il a arbitré. Il a dit, par la voix de M. Hérault, du Premier ministre, pas d'amendement sur la PMA lors de la discussion. Mais moi, vous comprendrez aussi que quand on sait la déclaration qu'il a faite devant les maires de France sur la liberté de conscience, on puisse aussi être inquiet de cette prise de position, parce que les reniements, on en a déjà connu, on risque d'en connaître encore. Et puis, ne vous énervez pas, laissez-moi terminer calmement. Monsieur Rochemont, s'il vous plaît. J'ai écouté attentivement Noël Mamère dans sa position tout à l'heure. Il pose 3 questions sur la PMA. L'éthique, le juridique et le philosophique. Et nous convenons que nous sommes d'accord. Il y a un sujet que vous oubliez, mes chers collègues. C'est l'aspect financier. Moi, j'aimerais bien, Madame la Ministre, que vous puissiez me dire, dans le cadre de l'étude d'impact, si l'ouverture de la PMA aux couples de femmes homosexuelles est réalisée, quel sera l'impact financier sur les comptes du budget de la Sécurité sociale de cette réalité. C'est important. Commission. Cet amendement est quasiment identique au précédent, dans l'avis défavorable de la Commission. Avis du gouvernement. Monsieur Gosselin. Ce que je voudrais dire, les questions qui sont évoquées depuis hier sur, par exemple, effectivement, la possibilité pour n'importe quel enfant de connaître son histoire originelle sont des questions importantes sur lesquelles il ne s'agit pas effectivement de traiter cela. Et je vais donner raison à vous, monsieur le député, en disant que ce n'est pas au travers de 2 minutes que l'on puisse aborder ces questions. Les questions qui ont été soulevées par monsieur Noël Mamère sont aussi des questions tout à fait légitimes. Mais on voit bien que au travers de vos diverses interventions, j'ai envie de dire de façon, vous le prendrez de façon un peu humoristique, que vous aimeriez bien nous affecter du syndrome du lampadaire. Alors le syndrome du lampadaire, c'est vraiment mettre le projecteur sur des sujets qui ne concernent pas la loi pour mieux ne pas parler de la loi. Et la loi, aujourd'hui, elle porte sur le mariage et sur l'adoption. Donc, je le répète, aujourd'hui, l'objet de la loi, c'est le mariage et l'adoption, ça n'est pas l'assistance médicale à la procréation.
Et d'autre part, je le redis à nouveau, les questions que vous posez sur, je reprends par exemple l'exemple de l'accès pour un enfant à connaître son histoire personnelle, n'a rien à voir avec l'homosexualité, se pose indifféremment à des couples hétérosexuels ou homosexuels. Donc il est un temps pour tout. Nous sommes aujourd'hui dans le débat sur le mariage et l'adoption ouvert aux couples de même sexe. Il sera un temps où les questions que vous pouvez évoquer sur différents bancs seront abordées. Avant de donner la parole à la garde des Sceaux, je tiens à vous informer que sur le vote de l'amendement 2090, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le sujet est effectivement important, sauf qu'il est hors sujet par rapport à notre texte de loi. Mais prenons un peu de temps. Monsieur Noël Mamère, que je... Donc, peu importe. Vous me ferez crédit quand même, que depuis septembre, lorsque le sujet de la PMA a surgi dans le débat public à la faveur de ce projet de loi, que j'ai aussitôt indiqué que l'assistance médicale à la procréation relevait du Code de la santé publique, que là nous allions traiter de l'état des personnes et que nous allions modifier le Code civil, que le sujet de la PMA est un sujet en soi, que tous les pays qui ont ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe et qui ont ouvert la PMA l'ont fait dans deux textes différents parce qu'ils ne saucissonnent pas, mais comme nous, ils ont un droit rationnel avec un code civil sur l'état des personnes, sur les libertés, sur les obligations, sur les contrats, sur les sécurités, qu'ils ont un code de la santé publique et qu'ils ont traité le sujet séparément. Vous me ferez crédit que depuis septembre, je n'ai pas varié. Vous me ferez crédit que je n'ai pas cessé de dire que la question de la PMA pose la question du régime actuel de la PMA pour les couples hétérosexuels, régime médical, que son ouverture aux couples homosexuels pose la question de savoir si on fait un parallèle régime médical ou si on considère qu'il y a l'accès aux couples de même femme. Et dans ce cas, comment on répond à la question de la différence de traitement et de la différence de conséquences sociales ? Qu'il nous faut une étude d'impact pour savoir si nous faisons le parallèle, quelle en sera la conséquence sur le budget de la sécurité sociale, et si nous ne le faisons pas, comment nous argumentons vis-à-vis du Conseil constitutionnel pour expliquer pourquoi nous faisons cette distinction. Nous devons également poser la question de l'accès de cette technologie aux femmes célibataires. Vous me ferez crédit que depuis septembre, je n'ai pas varié d'une virgule sur cet argumentaire. Par conséquent, que vous vouliez obstinément faire là aujourd'hui le débat sur la PMA, vous faites votre rôle d'opposition, vous passez votre temps à nous dire que les Français ont d'autres priorités, que c'est le chômage et l'économie qui les intéresse, que le fait de siéger Monsieur le dimanche... Monsieur Meunier, s'il vous plaît. Le fait de siéger le dimanche... Monsieur Meunier, allez. Que le fait de siéger le dimanche va alourdir le budget de nos institutions et par conséquent peser sur nos contribuables. Mais nous siégeons parce que vous déposez des masses, ce qui est votre liberté, mais des masses d'amendements que vous défendez l'un après l'autre, etc. Voilà pourquoi nous siégeons. Et le gouvernement respectueux du Parlement, vous avez bien vu, ma collègue, Madame Bertinotti et moi, nous n'effectuons aucun relais. Nous sommes là présents toutes les deux sans cesse que d'autres membres du gouvernement viennent
que d'autres membres du gouvernement viennent. Voilà, le gouvernement montre son respect envers le Parlement. Le Parlement fonctionne selon ses règles et les règles de la République. L'opposition a choisi de déposer des milliers d'amendements. Nous les examinons. Je donne un pour, un contre d'abord. Un pour, un contre. Hein. Alors, je vais donner, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais... Non, il y a le président du groupe qui l'a demandé, il y en aura un. Je vais donner la parole à un pour, un contre. Je vous propose qu'on fasse le vote et je donnerai la parole après à monsieur le président du groupe UMP pour un rappel au règlement. Après, après, après. On finit, monsieur le président. Madame Dalloz. Non, elle a rédigé l'amendement. Non, mais c'était mon amendement, effectivement. Moi, j'entends bien madame la ministre, la garde des Sceaux, qui dit qu'aujourd'hui, elle est cohérente dans son argumentaire. Très bien. Moi, j'aimerais que vous entendiez, on va faire un peu de pédagogie. Nous sommes dimanche matin, nous avons du temps. Vous avez ouvert le mariage pour tous sur un principe, le principe de l'égalité, l'égalité des couples homosexuels et des couples hétérosexuels. C'est sur ce principe-là que se fonde notre inquiétude, puisque vous ouvrez l'adoption à ces couples homosexuels et que derrière, on est sûr d'une chose, c'est que vous allez discrètement, au hasard d'un prochain texte sur la filiation, intégrer, bien évidemment, la PMA pour l'ensemble de tous les couples. Et c'est cela qui nous inquiète profondément et c'est la raison de tous ces amendements et de ces questionnements. Moi, je n'ai pas ma réponse. J'aimerais avoir une mesure d'impact financier sur l'ensemble de ces dispositifs parce que, sincèrement, là aussi, les dérives sur le budget de la Sécurité sociale entre votre conception de l'AME et maintenant, éventuellement, de la PMA pour tout le monde... Je pense que les Français, dans le contexte qu'ils connaissent aujourd'hui de crise, ont effectivement d'autres préoccupations, mais que ce sujet-là ne peut pas être traité à la légère. Madame Nathalie Niaison. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, chers collègues. Hier, vous exprimiez en disant « Nous avons le droit de nous exprimer, nous avons le droit d'avoir nos opinions ». Mais vous savez que quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Et vous avez le devoir de faire en sorte que vos arguments soient constructifs et qu'ils fassent avancer le débat. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous savez que la société française a évolué, qu'elle bouge et qu'elle est en phase avec ce projet de loi. Et que vous avez de la peine à trouver des arguments et c'est pour cela que vous tournez en rond. S'il vous plaît. Vous tournez en rond en apportant des arguments qui sont hors sujet, intéressants, importants, mais hors sujet avec la PMA et la GPA. Et ensuite, vous tournez en rond avec notamment l'intérêt supérieur de l'enfant. Hier, on en a largement parlé. Vous parlez de la Convention internationale des enfants. Alors que dire que des pays comme l'Australie, le Canada, comme l'Espagne, comme le Danemark, la Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis sont-ils moins intéressés que nous du droit de leurs enfants? Non, vraiment, vous montrez du doigt des familles qui aujourd'hui vivent, des familles homoparentales qui ont des enfants, des familles qui ont utilisé, qui ont eu au recours à la GPA, et vous êtes en train de les montrer du doigt, de les stigmatiser. Vous êtes en train de dire que leurs enfants ne sont pas des enfants comme les autres. Et nous, nous voulons l'égalité des droits de ces enfants comme les autres. Je veux finir en vous disant que vous voulez défendre l'intérêt supérieur des enfants, l'intérêt supérieur des familles. Eh bien, avec vos arguments, vous tournez en rond et vous êtes tiré vers le bas. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 2090. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 298, suffrage exprimé 298, majorité absolue 150, pour 95, contre 203. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et je donne la parole au président Christian Jacob pour un rappel au règlement. Merci, monsieur le président. Ça me donne l'occasion de vous saluer tout d'abord. Et tout simplement, je voudrais, comme je le fais à chaque fois, faire ces rappels au règlement pour
rappeler à Madame Taubira ce qu'est le règlement de notre Assemblée et le fonctionnement de nos institutions. Si vous êtes ici, Madame Taubira, ça n'est pas parce que vous avez envie de nous faire plaisir et vous nous faites un cadeau extraordinaire. C'est parce que nos institutions vous y obligent. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous êtes là pour être à la disposition du Parlement. Pardon. Vous êtes là pour être à notre disposition. Et par ailleurs, ça n'est pas notre projet de loi, c'est votre projet de loi, Madame la ministre. Et vraiment, votre présence est obligatoire. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes là. Ça n'est pas pour nous faire un cadeau. Si nous avions envie d'un cadeau, peut-être qu'on penserait à autre chose. Allez, on l'a bien compris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous accueillons les membres du gouvernement. Puisque nous les accueillons, on va essayer d'écouter chaque fois qu'ils s'expriment ce qu'ils ont à nous dire pour pouvoir animer nos débats. Et j'en viens à l'amendement 843 et 53 amendements identiques. Je donne la parole à Martin Lalande sur l'amendement 882 pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. L'amendement que 53 collègues ont déposé prévoit que l'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique dans des conditions prévues par l'article L2141-2 du Code de santé publique. Les lois récentes sur la procréation médicalement assistée ont tracé les limites du droit à l'enfant en indiquant que la PMA a pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Elle n'a pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant donnant priorité ainsi au désir des adultes sur l'intérêt des enfants. Accorder aux couples de même sexe cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d'un père ou d'une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait aussi un mensonge d'État, il faut bien l'appeler ainsi, en faisant croire à des enfants qu'ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères. Nous refusons de créer par la loi la plus lourde des inégalités, avoir deux catégories d'enfants, ceux qui ont un père et une mère et ceux qui ont deux parents masculins ou deux parents féminins. Enfin, comme l'a rappelé tout à l'heure Marie-Christine Dalloz, étendre la PMA aux femmes homosexuelles aurait un coût financier que malheureusement l'étude d'impact n'a pas permis d'évaluer. Monsieur Benisti sur le 938. Merci, Monsieur le Président. Comme le dit très justement notre collègue Mamer, et il a raison, il faut que nous sortions de l'hypocrisie. Tout le monde sait aujourd'hui, sur l'ensemble de ces bancs, que si nous votons cet article sur la PMA, on ira au bout de la logique et on légalisera à terme la GPA, la gestion pour autrui. Puisqu'on ne cesse de parler d'égalité, donc on ira chercher l'égalité entre les femmes lesbiennes et les homosexuels hommes. Et pour bon nombre de parlementaires ici, c'est une vision de la société que nous récusons. Car premièrement, on ne peut réduire la femme essentiellement à son ventre et on ne peut toujours pas se résoudre à ce qu'un utérus soit loué, voire prêté ou négocié. Et deuxièmement, une fois de plus, l'enfant perd son statut d'être humain et est rabaissé au statut d'objet. Mes chers collègues, les droits de l'enfant sont ici encore bafoués. 80% des pédopsychiatres et le dernier rapport de l'INSERM nous appellent à réfléchir sans hypocrisie sur les conséquences dramatiques pour ces enfants qui vont être issus soit de la PMA, soit de la GPA, qui vont subir toute leur vie. Méditons ensemble, puisque c'est le jour du Seigneur, Monsieur le Président, sur les conséquences des décisions que nous allons prendre aujourd'hui. Pas plus pour les femmes objets que nous affligeons que pour les enfants Playmobil que nous allons créer. Monsieur Gosselin, le 1472. Oui, Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur l'effet domino que nous ne cessons de dénoncer. Il y a un effet domino qui est là.
même si encore une fois on nous présente deux textes, une vente à la découpe, force est de constater que les ambiguïtés depuis le début du gouvernement ou d'une partie du gouvernement, du président de la République, ne facilitent pas les débats que nous menons. Et c'est bien ça la vraie difficulté. Si dès le départ le gouvernement avait été clair dans ses choix, dans ses priorités, peut-être aujourd'hui aurions-nous un débat différent. Parce qu'en effet, derrière tout ça, c'est la question du modèle, effectivement, de la famille, de la filiation qui est posée. Notre collègue Noël Mamère l'a dit tout à l'heure, c'est aussi le rôle du législateur. Est-ce que le législateur est un greffier de l'état de l'opinion ? Est-ce que le législateur est un greffier de l'état des techniques médicales, de procréation ou d'autres d'ailleurs sujets ? C'est ça la question essentielle. Et effectivement, elle traduit des approches différentes des visions de la société. Mais quand on est pragmatique, on regarde ce qui se passe à l'étranger. J'ai accompagné le rapporteur, un groupe de députés, dans un déplacement du reste très courtois et intéressant, et les députés européens que nous avons alors rencontrés, qui venaient du Portugal, qui venaient de Suède, du Danemark, et d'ailleurs, nous ont tous dit « Allez-y !» J'étais le seul en opposition. « Allez-y, c'est une première étape, il faut y aller, mais elles sont toutes liées. » Et oui, elles sont toutes liées, et c'est cela que nous voulons mettre en avant ici. Merci, Monsieur Nicolas Duic, sur le 1543. Merci, Monsieur le Président. Que de non-dits, que de forclusions sur les bancs du gouvernement. La véritable question qui est posée, c'est soit nous avons une conception de la construction de l'humanité qui est suffisamment plastique pour considérer qu'on peut lui faire parcourir tous les avatars possibles, que la technique n'empêchera pas cette construction. Et c'est la question qui est posée par notre collègue Mamère, parce qu'il y a effectivement un lien direct entre votre texte et les questions de technique et d'éthique qui suivent. Soit nous considérons, comme nous le faisons sur ces bancs, que dans la construction humaine, il y a des invariants structurants. Et que ces invariants structurants sont pour le plus grand nombre nécessaires. Parce que oui, quelle que soit la complication et la complexification que vous poserez aux enfants qui seront issus de ces nouvelles techniques, il y aura des enfants qui seront parfaitement capables, par leur volonté, leur force de vie, leur élan vital, d'affronter toutes les difficultés. Mais il y en aura d'autres pour lesquels vous allez largement compliquer les choses. Et ce n'est pas parce que l'humain est si plastique qu'il peut affronter toutes les difficultés qu'il faut mépriser ses invariants, qu'il faut mépriser ces millénaires d'évolution dont nous avons particulièrement besoin, quel que soit l'état de notre conscience aujourd'hui. Merci. Monsieur Le Fur, sur le 1632. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames les Ministres. Je limiterai mon propos pour ma part à la PMA. Ce qu'il faut rappeler, et beaucoup de gens l'ignorent, c'est qu'actuellement, la PMA, pour l'essentiel, se passe à l'intérieur du couple. Elle pose déjà des problèmes, on le sait bien, puisqu'il faut un minimum de stabilité des couples, et on a eu des débats de cette nature. Elle pose aussi des problèmes quant à la conservation des embryons, et ça, c'est d'autres sujets déjà compliqués. Ça se complique quand, dans un certain nombre de cas, qui ne représentent que 8% des cas de PMA, on fait appel à un donneur extérieur. Et là, on pose un problème majeur, qui est celui des origines. Problème majeur, parce que je crois qu'il y a une demande légitime des origines, et d'autres que moi le disent. Troisième sujet, vous voulez étendre la PMA aux couples lesbiens. Vous comprenez bien que si la clause médicale saute pour les couples lesbiens, elle sautera tout autant pour les couples hétéros. C'est-à-dire que nous n'aurons plus de raison de refuser la PMA pour des raisons d'âge, puisque la condition médicale ne sera plus exigée pour les uns. Il n'y a aucune raison de ne pas l'exiger pour les autres. Nous n'aurons pas davantage de raison d'interdire la conservation des ovocytes. Vous comprenez que si vous faites sauter la condition médicale au nom d'un droit donné au couple lesbien, cette condition médicale, elle sautera pour tout. Et la PMA deviendra un élément de convenance. Donc c'est un sujet qui ne concerne pas simplement les couples lesbiens, mais cela impactera l'ensemble de notre législation sur les PMA. C'est pour ça qu'il faut agir avec la plus grande prudence. Chacun sait, la prudence, c'est la qualité majeure du législateur. Monsieur Chevrolier, sur le 1778.
Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, chers collègues, les lois récentes sur l'assistance médicale à la procréation ont tracé les limites du droit à l'enfant en indiquant que la PMA a pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Ces dispositions ont été votées lors de la révision de la loi de bioéthique promulguée le 7 juillet 2011. Cette loi de bioéthique a été le fruit d'une grande concertation, d'états généraux, de longs débats, ce qui nous paraissait normal lorsque nous étions dans la majorité pour des sujets de cette importance. Or vous, sur votre projet qui nous réunit un dimanche avec le coût pour la collectivité nationale, même si ça reste dans le budget de l'Assemblée, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais on aurait pu faire cette économie parce qu'il faut aujourd'hui diminuer la dépense publique. Il ne faut pas être à budget constant uniquement. Bref, nous, on aurait pu sur ce sujet faire des états généraux, faire un grand débat national, un référendum. Bref, cette loi relative à la bioéthique n'a pas permis les procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant donnant priorité au désir des adultes sur l'intérêt de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant doit continuer à être la base de notre droit. Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d'un père ou d'une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait un mensonge d'État en faisant croire à des enfants qu'ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères. Alors que notre droit affirme que tous les hommes naissent libres et égaux, cette disposition contreviendrait à ce principe. En effet, vous créeriez plusieurs catégories d'enfants, ceux qui connaissent leurs parents biologiques et ceux dont la société va leur refuser ce droit, entre ceux qui vont pouvoir être élevés par un père et une mère et ceux qui auront deux mamans. De plus, ce droit offert aux femmes homosexuelles conduirait à une nouvelle discrimination entre les adultes, puisque les hommes homosexuels ne pourraient, eux, trouver une réponse à leur désir d'enfant. Merci. La notion d'égalité qui la vous est si chère... La parole est à M. Pierre Leguillet, même... sur le 2277. Oui, Monsieur le Président, j'ai entendu Monsieur Noël, ma mère, tout à l'heure, et je suis d'accord avec lui. Pas sur l'aboutissement, mais sur l'importance éthique, philosophique, grave de ce débat. Il s'agit de la place de l'homme, de la femme, de l'enfant, face à l'évolution de la science, face à l'évolution des techniques médicales ne doivent pas primer sur les problèmes d'éthique, les problèmes philosophiques. Et Madame Berdinotti, il y a une certaine hypocrisie à dire que nous n'avons pas le droit d'aborder ce sujet, parce qu'il est hors sujet, alors que le groupe socialiste voulait le mettre à l'ordre du jour, que de nombreux ministres ou personnalités socialistes, comme M. Rebsamen, encore hier, qui s'est prononcé contre la PMA, prennent clairement position dans la presse. Et moi, je voudrais vous poser la question, pourquoi vous avez reporté le débat à plus tard? Parce que, tout simplement, le groupe socialiste était divisé sur la question. Alors, je suis sûr que sur ce sujet, si l'on met à part les problèmes politiques et si on réfléchit en conscience, les députés sur ces bancs, mais sur tous les bancs, se posent des questions, sont en conscience, troublés et partagés. Et paradoxalement, nous sommes au cœur du sujet. La vérité, c'est qu'encore une fois, vous avez fait tout à l'envers. Il fallait d'abord consulter le Conseil consultatif national de l'éthique, organiser des états généraux et aborder l'ensemble du problème mariage, adoption, merci, PMA. Monsieur Le Quillet. La parole est à monsieur Georges Fenech sur le 2762. Je voudrais vous dire, madame le ministre, monsieur le rapporteur, que ce matin, je me sens plus à l'aise qu'hier. Hier, je vous ai vu vous réjouir, et ce qui est votre droit le plus légitime, de l'adoption de l'article 1er qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Nous n'avons pas les mêmes réjouissances de notre côté, mais au moins ce matin, on se sent plus à l'aise, en tout cas en ce qui me concerne, puisque si vous ne vous prononcez pas aujourd'hui, bien sûr,
sur la PMA, sur le fond de la PMA. En tout cas, monsieur le rapporteur l'a clairement dit. J'allais dire, les masques sont tombés. Non, les masques ne tombent pas parce qu'on a compris, nous, depuis le début, quel est votre objectif final de passer d'une procréation médicalement assistée à une procréation socialement assistée. Vous parliez de changement de civilisation. Ça, on est vraiment dans un changement même de la philosophie de ce qu'est l'homme aujourd'hui. Et souffrez qu'on peut en souffrir et émettre des objections graves et profondes sur un tel dispositif. Donc je me sens plus à l'aise aujourd'hui, monsieur le rapporteur, madame la ministre, parce que si nous avions quelques doutes, peut-être les Français aussi, aujourd'hui, sur cet article additionnel, les Français savent quel est le projet de société et de civilisation que vous nous préparez. Et je crois que la démocratie, bien sûr, vous êtes majoritaire, bien sûr, le texte a toute chance d'être adopté ici, on verra au Sénat plus tard. Mais au moins les Français, ce matin, avec cet article additionnel, qui nous écoutent, savent quelle est la finalité de votre projet. Et donc moi j'en appelle vraiment aujourd'hui, parce que nous sommes la représentation nationale, mais nous réclamons un référendum sur des questions de cette importance, les Français vont se mobiliser, j'en suis sûr. Nous allons rentrer dans une seconde phase où la France va se faire enfin entendre. Monsieur Philippe Meunier, sur le 2903. Je vous remercie, monsieur le Président. Madame les ministres, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Avec cet amendement, nous rappelons qu'un enfant a le droit d'avoir un père et une mère. Notre devoir est de le protéger des caprices des adultes. C'est la raison pour laquelle nous voulons réserver la PMA aux couples hétérosexuels. Avec ce projet de loi, vous avancez masqué pour entraîner les Français vers la GPA à leur insu. Mais vous ne pourrez pas longtemps cacher au peuple votre volonté de détruire la famille. Vous êtes aux ordres de minorités agissantes, au détriment de la cohésion sociale et de notre pacte républicain. Nous vous demandons de vous ressaisir. Merci, monsieur Meunier. Madame Valérie Lacroute, sur le 3088. Oui, monsieur le Président, merci. Alors, il s'agit d'un amendement de précaution. Cet amendement a pour objet d'insérer dans ce projet de loi l'assistance médicale à la procréation et de rappeler qu'elle est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme. Alors, après nous avoir fait passer pour des ringards, voire des homophobes, d'ailleurs, je vous le précise, au grand désespoir de mes enfants, de nous avoir vociféré dessus parce qu'un de mes collègues avait eu le malheur de se considérer comme normal, ce n'est plus le maire, M-A-I-R-E, comme je l'ai fait hier, qui vous parle, mais la mère, M-E-R-E, qui s'adresse à vous. Moi, mère, je m'inquiète, dans l'intérêt de l'enfant, des conséquences de votre loi. Un enfant, se construit à partir d'un homme et d'une femme. Merci. Monsieur le Président Accoyer. Cet amendement est un amendement essentiel, car en réalité, il vous permettrait, Madame le Ministre, si vous l'acceptiez, que nous retrouvions un peu de sérénité et en tout cas un peu de sécurité sur ce que nous considérons comme devant dominer tous nos débats. En effet, le rapporteur, à la page 93 du tome 1 de son rapport, est très clair sur la PMA, l'accès à la PMA pour les couples formés de deux femmes. Et il s'agit là d'une première évolution qui pourrait conduire à un changement majeur de notre société qui, par voie de conséquence, de fil en aiguille, d'étape en étape, aboutirait évidemment au débat sur la grossesse pour autrui, la gestation pour autrui et sur le clonage. Nous l'avons évoqué hier. Or, le mariage vaut l'adoption, nous l'avons vu. Le mariage de couple de deux femmes vaut accès à la PMA, éventuellement par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et le seul frein possible à cette heure, à cette étape, à cette évolution, et si vous êtes sincère, Madame le garde des Sceaux, je vous appelle à prêter attention à ce seul frein possible, serait d'accepter que l'on insère dans le texte que l'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique. À caractère pathologique. Ce sont ces deux mots qui, en réalité, verrouillent ou libèrent une évolution qui nous sépare
profondément. Donc, vous pourriez au moins, Madame le garde des Sceaux, accepter cet amendement au moins le temps que le Comité national d'éthique travaille à fond, réfléchisse à fond, dans un esprit qui ne soit pas un esprit de précipitation, tel que nous pouvons le voir au cours de cette discussion, et que nous trouvions ensemble, au moins, le moyen d'atténuer les effets de ce texte. Merci. Madame Vautrin, sur le 3400. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, depuis maintenant près de 8 mois, le gouvernement, comme d'ailleurs plusieurs membres de votre majorité, nous ont habitués au reniement. Madame Guigou n'est pas là ce matin, c'est dommage. Et dans ce contexte, quel crédit pouvons-nous finalement apporter à vos affirmations selon lesquelles la PMA ne serait pas maintenant ? Plusieurs ministres se sont déjà exprimés pour soutenir la PMA. Madame Touraine est passée, mais je dois dire que son silence fut absolument étourdissant dans cet hémicycle, puisqu'elle n'a pas daigné répondre à nos questions. Elle est ministre de la Santé et à ce stade, nous ne connaissons toujours pas sa position devant l'ensemble des parlementaires. Quant au fond de l'amendement, il a pour objet de rappeler que la PMA a pour fondement, a pour objet de lutter contre la stérilité dans un contexte très encadré. Parce que ce sujet interpelle nos consciences. Nous n'avons aucun avis du Conseil national d'éthique. Et quelque part, ce que vous voulez faire en ouvrant précipitamment la PMA, parce que vous le ferez, Madame le Ministre, vous le ferez au printemps, vous allez finalement revenir sur le sujet de fond qui est la création du droit à l'enfant. Et nous, depuis toujours, et c'est notre grande différence, ce qui nous guide, c'est le droit de l'enfant et non pas le droit à l'enfant. La différence est importante. Et au plan constitutionnel, vous prenez un véritable risque de rupture d'égalité. Merci. Monsieur Myard. Bonjour, Monsieur Myard. Monsieur le Président, merci. Effectivement, avec cet article, nous posons, je dirais, la vérité qui est inéluctable avec l'adoption de l'article 1 que vous avez voté sur le mariage des homosexuels. Et effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où vous avez mis sur un strict plan d'égalité le mariage hétéro et le mariage homosexuel, se pose la question de la PMA. Et je voudrais ici vous rappeler ce que je vous ai déjà dit. Il y a quelques semaines, j'ai entendu une enfant de 7 ans qui était né dans ces conditions parce que les deux personnes homosexuelles avaient fait un voyage sans doute en Belgique. Et cet enfant disait, cela m'a glacé, elle disait, je n'ai pas de papa et il va falloir que je m'y fasse. Eh bien, elle ne s'y fera jamais. Toute sa vie, cet enfant portera la stigmatisation de votre apprenti sorcier. Merci, Monsieur Myard. Monsieur Xavier Breton sur le 3425, et on se calme. Merci, Monsieur le Président. La question de l'assistance médicale à la procréation est inscrite dans la logique du texte. Pourquoi ? Parce que ce texte, avec l'adoption, crée un droit à la filiation pour les couples de personnes de même sexe. Il n'y a pas assez d'enfants adoptable, ni dans notre pays, ni dans le monde. Et du coup, ce droit à la filiation va s'exprimer avec d'autres techniques qui seront l'assistance médicale à la procréation et la gestation pour autrui, d'abord à l'étranger, puis en France. Et je voudrais simplement revenir sur ce qu'a indiqué tout à l'heure le rapporteur en disant oui, il va y avoir l'assistance médicale à la procréation et en plus, il n'y aura pas d'état généraux. Que dit la loi de bioéthique que nous avons révisée en 2011 ? Je lis. Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Premièrement, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des progrès de la connaissance qui justifient ces états généraux ? Oui, avec la vitrification des ovocytes, qui est une nouvelle technique qui a été intégrée, je parle sous le contrôle d'Alain Claes, qui était président de la mission à l'époque et de la commission, qui a été intégrée, c'est une nouvelle technique, et qui a des impacts qu'il va falloir mesurer. On sait qu'aujourd'hui, le syndicat des gynécologues accoucheurs demande la vitrification des ovocytes comme une technique de convenance pour les femmes, et non pas, et là on retombe sur nos débats de 2011, simplement pour des interventions très limitées. Donc les progrès de la connaissance interviennent. Le deuxième point, Monsieur le Président, c'est, je trouve, une lecture un peu restrictive.
de cette nécessité d'État généraux. Parce que selon vous, c'est seulement l'impact de nouvelles techniques qui devrait être étudié. Mais on peut également, et je crois que c'est logique, avoir des États généraux pour mesurer l'impact de techniques existantes avec de nouvelles utilisations. Merci, monsieur. Sinon, Breton. Ça serait trop facile. On aurait Madame les nouvelles techniques. Madame Genevard, sur le 3955. Merci, monsieur le Président. Nous pensons que la PMA constitue avec la GPA le véritable objectif des partisans du projet de loi. Elle est pour eux la suite logique, voire la conséquence de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. Mes chers collègues, je vous invite à réfléchir aux différentes formulations de l'article qui encadre la procréation médicalement assistée. Depuis la loi du 7 juillet 2011, voici ce que dit le Code de la santé publique. Il dispose que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Savez-vous ce qui a été supprimé le 7 juillet 2011 ? Eh bien, ce qui a été supprimé, c'est la principale modification porte sur la disparition de la notion de demande parentale. Et pourquoi cette demande parentale a-t-elle disparu ? Eh bien, parce que le législateur, dans sa grande sagesse, a voulu mettre une priorité à l'élément médical, à la dimension médicale de l'assistance médicale à la procréation, et il a fait reculer dans le texte la prééminence du désir d'enfant des parents. Eh bien, nous souhaitons rester sur ces dispositions, faire que ce soit bien la dimension médicale qui prévale et non pas la demande parentale. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement. Merci, Madame Genevard. Madame Isabelle Le Callennec, sur le 4061. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, avec cet amendement, nous vous offrions une énième chance d'apporter la preuve aux Français qui nous écoutent et suivent nos débats. La preuve que l'assistance médicale à la procréation restera dans notre pays exclusivement réservée aux couples hétérosexuels infertiles. Vous nous accusez d'hypocrisie, mais où est l'hypocrisie si ce n'est du côté de votre majorité ? Votre intention est claire et se traduira dans la loi que vous nous annoncez sur la famille et la filiation. D'ailleurs, pourquoi cette loi sur le mariage maintenant, avant la loi sur la famille ? Ça devient d'ailleurs une marque de fabrique de ce gouvernement. Ces lois dont l'enchaînement est incohérent et ne favorise pas un travail législatif serein et sincère. Alors ne prenez pas les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont majeurs et lucides. Dans quelques mois, la PMA sera autorisée aux couples homosexuels dans notre pays. Vous y êtes quasiment tous favorables. Tous, non ? Il reste encore parmi vous quelques irréductibles. Et ce sont eux que nous invitons, parce qu'ils partagent nos convictions comme celles d'une grande majorité de Français. Ce sont eux que nous invitons à l'exprimer avec courage en votant notre amendement. Merci. Monsieur Paul Salen, sur le 4274. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, depuis le début de ces débats, vous refusez de répondre à une seule question, pourtant qui appelle un seul mot pour répondre. C'est oui ou non, le mariage des personnes de même sexe donnera-t-il les mêmes droits que celui des mariages hétérosexuels, c'est-à-dire aussi le droit à la PMA. Alors, si vous ne voulez pas répondre aux membres de l'opposition, si vous ne voulez pas répondre à tous les Français qui nous regardent, répondez au moins à mon collègue, le député socialiste Jean-Louis Gagnère, qui hier au soir a écrit sur son blog qu'il était heureux que l'article 1er soit voté, qu'il l'avait voté parce que la PMA et la GPA ne verront jamais le jour en France. Alors répondez-lui au moins à lui, il fait partie de votre famille politique. Si vous ne répondez pas, Madame la Ministre, votre silence indiquera à tous les Français que vous mentez et que vous les trompez. Monsieur François de Mazières, sur le 4760. Ah oui, il est là-haut. Sur le 4769. Alors, depuis maintenant
des jours, on vous demande, Madame la Ministre, des éclaircissements sur votre position quant à la PMA. On vous a même demandé de répondre par oui ou par non, et jamais vous n'avez répondu. Et c'est vrai que pour nous, on voit bien qu'il y a de la tactique dans tout ça. Alors on vous demande, par cet amendement, la possibilité d'enfin éclaircir les choses. Mais au fond, malheureusement, nous savons que vous ne répondrez pas clairement. Et je pense qu'on arrive toujours à la même question, une vision de la société différente. Pour vous, vous mettez sans cesse devant la scène l'égalité. Mais au fond, c'est l'égalité des désirs de l'adulte. Alors que nous, nous mettons au premier plan l'égalité des enfants. Que les enfants qui seront adoptés puissent avoir un père et une mère. Car c'est une inégalité fondamentale que de dire qu'un enfant n'aura pas au moment de l'adoption un père et une mère. Alors, pour ceci, vous savez bien que finalement la PMA, c'est le moyen de contourner ceci. On vous demande, puisque malheureusement vous repoussez ça après, qu'il y ait au moins des états généraux sur cette question. Pas seulement un avis du Comité national éthique qui est important, mais des états généraux. Ce qu'on vous a demandé depuis des mois pour cette loi essentielle que nous sommes en train de discuter et que malheureusement nous n'avons pu obtenir. Il y aurait eu ces états généraux, les Français auraient pu mieux s'exprimer. Merci. Madame Delarodière sur le 4824. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous vous disons qu'il y a bien sûr un lien évident entre le texte que nous discutons aujourd'hui, mariage et adoption pour les couples de même sexe, et la question de l'ouverture de la PMA au même couple. Ne pas vouloir le reconnaître, ne pas en discuter aujourd'hui, est de l'hypocrisie de votre part. Donc nous ouvrons le débat sur ce sujet. Nous vous avons demandé un grand débat avec les Français sur ces sujets. De l'ouverture du mariage aux couples gays et de l'adoption, vous avez refusé. Nous vous avons demandé des états généraux sur la famille. Vous nous dites ce n'est pas le moment. Quand allez-vous faire ces états généraux? Avez-vous peur des familles? Nous vous avons demandé de consulter le Conseil national de l'éthique. Ce n'est pas encore l'objet du texte. Vous avancez en force. Si vous n'étiez pas prêt, il fallait attendre un peu et nous proposer un projet de loi mariage et famille. Au moins, les Français auraient eu une vision complète et claire de votre politique sur ces sujets majeurs de notre société. Et Madame la rapporteure, vous qui venez de dire qu'il fallait cesser l'hypocrisie en ne voyant pas que des femmes lesbiennes allaient à l'étranger faire des PMA, comme si c'était anodin d'ouvrir la PMA pour des motifs qui ne sont pas d'infertilité médicale. Eh bien, que nous direz-vous? Vous nous direz aussi qu'il faut cesser l'hypocrisie parce qu'il y a des femmes qui vont faire des GPA à l'étranger? Monsieur Fromentin, sur le 1512. Merci, et Monsieur le Président. Chers collègues, je crois que cet amendement, il est au cœur de nos débats. Il est au cœur de nos débats parce que finalement, c'est tout le sens de ce projet que de débattre sur ces conséquences de ce droit à l'enfant qu'on est en train de créer. Moi, je m'interroge aussi sur le sens de la loi. Vous voyez. Quand je lis Jean-Pierre Michel qui dit qu'il va falloir suivre la science, est-ce que notre rôle ici, dans cet hémicycle, c'est de suivre la science? Quand je vous entends dire « ça se fait à l'étranger, donc faisons-le ici », est-ce que le sens de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce qu'on fait dans cet hémicycle, c'est de suivre ce qui se passe à l'étranger? N'a-t-on pas en France une capacité à inscrire ici, dans cet hémicycle, à l'Assemblée nationale, nos propres valeurs? La France s'est grandie quand elle a imprimé, fait rayonner ses valeurs, non pas quand elle essaye de suivre, bon an mal an, celles des autres pays. Je me pose la question du sens de la loi. Quand on essaye de suivre les usages et de se poser la question, est-ce que la PMA doit suivre finalement les usages au lieu de se poser fondamentalement, la question du sens de cet acte qui est à la base un acte médical. C'est la raison pour laquelle je pense que cet amendement est indispensable dans les débats, dans les discussions qu'on a aujourd'hui. Monsieur Nicolin sur le 5218. Merci, Monsieur le Président.
Nous connaissions la boîte de Pandore, nous connaîtrons désormais la boîte Taubira. Il est clair que... Eh oui, monsieur le Président, il est clair que petit à petit, nous découvrons que le gouvernement a d'autres desseins qu'uniquement ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Nous avons déjà découvert qu'il pourrait bien sûr adopter, mais pourquoi s'arrêter là? Si adopter est le moyen de pouvoir offrir à ces couples un enfant, il faudra leur permettre, bien évidemment, dans ce cas-là, de pouvoir avoir un enfant par PMA, par GPA, après-demain par clonage. Donc vous donnerez tous les moyens d'égalité. Et c'est cette raison qui nous pousse à développer cet amendement. Parce que cet amendement doit nous permettre d'avoir une réponse claire. Il va y avoir un vote, mes chers collègues. Et par conséquent, vous allez voter contre cet amendement. Nous, nous allons voter pour. Et nous saurons ainsi quels sont ceux qui veulent réserver la PMA aux enfants aux couples hétérosexuels et quels sont ceux qui sont prêts à l'ouvrir aux couples homosexuels. Merci. Et je voudrais maintenant avoir l'avis de la Commission sur ces amendements identiques. Merci, Monsieur le Président. Alors, les États généraux, vous avez cité le texte, d'ailleurs, qui confirme la position que je vous ai exprimée tout à l'heure et qui justifie qu'il n'y aura pas, enfin, selon la Commission, qu'il n'y aurait pas nécessité d'ouvrir les États généraux si l'on devait ouvrir la PMA aux couples de femmes. Je vais citer Jean Leonetti dans son rapport de 2011 relatif à la modification des lois bioéthiques. Je le cite. Cette question dépasse largement le cadre d'une loi bioéthique. Même si la demande d'une meilleure reconnaissance de l'homoparentalité s'accroît et si la question de l'accès des couples de femmes à l'assistance médicale à procréation est posée, son émergence à l'occasion du réexamen des lois de bioéthique ne doit pas faire oublier que cette question relève fondamentalement du droit de la famille. Donc c'est le droit de la famille qui sera compétent, en tout cas c'est par le droit de la famille que nous pourrons, dans cet hémicycle, rentrer sur cette question. Monsieur Aubert a dit, je crois que c'était peut-être un mot malheureux de sa part, que les couples qui allaient à l'étranger concevoir un enfant par AMP étaient dans l'illégalité. Non, ils ne sont pas dans l'illégalité. Ils ne sont pas dans l'illégalité. Ils prennent le Thalys, il n'y a rien de plus simple. Ils vont en Espagne, il n'y a rien de moins compliqué. Et ils ne prennent pas l'illégalité. Ils ne sont pas dans une situation d'illégalité, c'est important de le dire. Et j'en profite pour préciser que, puisqu'ils sont très nombreux à traverser la frontière au sud comme au nord pour concevoir ces enfants. Ils sont, je crois, à peu près 2000 par an en Belgique. Et il est vrai, quand nous sommes allés avec Philippe Gosselin visiter l'hôpital Erasme à Bruxelles, il est vrai que l'accès aux Françaises est extrêmement limité par les Belges, parce qu'elles seraient beaucoup plus nombreuses si les hôpitaux, les cliniques de fertilité ouvraient davantage leurs portes. Mais ces enfants, ils existent. Ils existent. Aujourd'hui, ils naissent tous les jours. Et ce que vous êtes en train de dire quand vous nous accusez à travers notre volonté de vouloir ouvrir la PMA aux couples de même sexe, ou en tout cas aux couples de femmes, quand vous dites que nous allons délibérément les priver d'un père et d'une mère, est-ce à dire que vous préféreriez que finalement ces enfants ne naissent pas? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de leur dire aujourd'hui, ces enfants qui sont nés, qui naissent tous les jours, conçus en Belgique, dans des couples de femmes, vous êtes en train de leur dire qu'il aurait été préférable dans votre intérêt que vous ne naissiez pas? Si, c'est ce que vous dites. Et vous dites pire. Vous dites pire. Monsieur Monnier, Monsieur Cochet, Monsieur Miard, s'il vous plaît, vous allez avoir l'occasion de répondre. Vous allez avoir l'occasion de répondre. Allez. Allez. Deux collègues parmi vous ont employé le mot enfant-objet. Monsieur Benisti, vous avez dit que nous étions le jour du Seigneur. Faites en sorte qu'il vous inspire mieux. Parce que dire à ces enfants qu'ils sont des objets, quand même, un peu de dignité. Plus concrètement,
Dans vos amendements, plus concrètement, dans vos amendements, vous restreignez l'accès à l'assistance médicale à la procréation davantage que ce qu'elle est ouverte aujourd'hui aux couples hétéros, puisque vous la réservez aux couples souffrant d'une infertilité à caractère pathologique. Ce faisant, vous oubliez les situations dans lesquelles il y a un risque de transmission de maladies qui existe dans notre droit. Donc vous êtes en retrait pour les couples hétérosexuels par rapport aux droits qu'ils ont aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, la Commission a donné un avis défavorable à l'ensemble de ces 53 amendements. Sur le vote de l'amendement 882 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Avis du gouvernement, Madame Bertinotti. Oui, trois points. Moi, je suis, en tant que ministre de la Famille, chargée de la protection de l'enfance, et vous avez le droit de l'enfant toujours en bannière. Alors, évitez de parler d'enfants Playmobil, c'est profondément insultant. Nous n'avons vraiment rien de commun. Jamais nous nous aurions choséifié l'enfant comme vous le faites. Donc, de grâce, évitez ces expressions d'enfants Playmobil. La deuxième remarque que je voudrais faire, je le répète, que les questions de filiation soient des questions importantes, nous en convenons tous. Qu'elles soient liées à l'homosexualité, c'est insupportable. Les questions de filiation dépassent très largement la question de l'homosexualité et doivent trouver des réponses indifféremment, aussi bien dans les milieux hétérosexuels qu'homosexuels. Et donc, recentrons-nous. Moi aussi, je me répète, sur la loi d'aujourd'hui qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Enfin, troisième élément, vous faites référence à, je ne sais plus comment vous avez appelé ça, une philosophie judéo-chrétienne. Alors, je vais vous dire, pas du tout, parce que si vous faites référence à cela, vous allez l'expliquer à nos amis islandais, à nos amis norvégiens, à nos amis suédois, à nos amis finlandais, à nos amis hollandais, à nos amis belges, à nos amis anglais, à nos amis espagnols, à nos amis australiens qui ont aujourd'hui ouvert la PMA aux couples de même sexe. Merci. Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je veux moi aussi dire à quel point j'ai été choquée d'entendre parler d'enfants Playmobil. Vous nous parlez constamment des droits de l'enfant. René Char disait que les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et les mots que vous utilisez révèlent des choses. Vous n'en avez pas toujours la maîtrise. Vous reprochez au gouvernement de n'avoir pas saisi le Conseil national d'éthique pour un texte de loi qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Vous reprochez au gouvernement, exposé des motifs, de malheureusement n'avoir pas évalué l'étude d'impact, de n'avoir pas effectué d'étude d'impact sur l'assistance médicale à la procréation dans un texte qui concerne le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Alors, nous pouvons évidemment continuer à reprocher au gouvernement de ne pas avoir réfléchi à la GPA dans un texte qui concerne l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et l'adoption. Vous pourriez aussi reprocher au gouvernement de n'avoir pas effectué une étude d'impact sur le clonage dans ce texte qui concerne l'ouverture du mariage et l'adoption aux couples de même sexe, mais il n'est pas certain que nous n'y venions pas tôt ou tard. Monsieur le Président Accoyer, vous nous proposez donc, avec d'autres, puisque les amendements sont absolument identiques, d'insérer donc dans ce texte de loi qui concerne le Code civil, je rappelle, vous nous demandez donc d'insérer dans le Code civil
que l'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l'article 21-41-2 du Code de la santé publique. Le Code civil a tiré les conséquences de l'accès à l'assistance médicale à la procréation. Le Code civil a tiré les conséquences en matière de filiation. Là, vous nous demandez d'inscrire dans le Code civil que l'assistance médicale à la procréation sera expressément, pardon d'avouer que je ne sais pas ce que ça signifie en droit, expressément réservée à des couples souffrant d'une infertilité à caractère pathologique. Alors, en dehors du fait que je ne comprends pas ce que signifie expressément, parce que expressément, ça n'est pas exclusivement, nous en convenons. Donc, en dehors du fait que je ne comprenne pas ce que signifie expressément, je donne lecture de l'article 21-41-2 du Code de la santé publique et non du Code civil, forcément. L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Donc, ou bien vous voulez modifier le Code de la santé publique et à ce moment-là, vous le modifiez avec un amendement qui est d'une rédaction inférieure parce que imprécise par rapport à la rédaction actuelle, ou bien vous voulez introduire dans le Code civil une disposition du Code de la santé publique avec, en plus, les imprécisions. Bon, alors peut-être que vous nous préciserez tout à l'heure. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment le sujet sur l'assistance médicale à la procréation est un sujet sérieux, que le gouvernement approche de façon extrêmement sérieuse et que vraiment ce sujet mérite beaucoup mieux qu'un amendement qui, même s'il était adopté, ce qui évidemment est un risque extrêmement peu probable, exposerait ce sujet aussi sérieux à une censure totalement inutile du Conseil constitutionnel. Merci Madame la Garde des Sceaux. Monsieur de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Le débat qui vient d'avoir lieu et les réponses des ministres montrent bien, s'il en était besoin, la justesse de notre raisonnement. Il y a en effet un enchaînement logique dans ce texte. Quel est-il ? Vous avez décidé d'autoriser le mariage des couples homosexuels. Tout à fait logiquement, vous êtes conduit à autoriser également ces couples homosexuels mariés à adopter. Mais vous savez très bien que ça ne pourra pas suffire. Madame la garde des Sceaux nous a expliqué tout à fait justement que la procédure d'adoption est longue, qu'elle est très exigeante. Par ailleurs, nous savons tous qu'il y a peu d'enfants adoptables, que ce soit des enfants en France ou des enfants à l'étranger. Par conséquent, il faudra trouver d'autres solutions pour satisfaire le désir d'enfant légitime des couples homosexuels. Alors, qu'est-ce qui arrivera ? Eh bien, pour les couples homosexuels de femmes, ce sera l'assistance médicale à la procréation. Et pour les couples homosexuels d'hommes, ce sera la gestation pour autrui. C'est inévitable. Alors, Madame Bertinotti l'a presque reconnu. Madame Taubira est plus prudente. Mais finalement, le porte-voix de la majorité sur ce sujet, celui qui dit ce que le gouvernement n'ose pas révéler, bien c'est le groupe écologiste avec M. Mamère qui, eux, ont au moins l'honnêteté de dire qu'ils sont pour la gestation pour autrui et pour l'assistance médicale à la procréation. Alors, Madame Taubira, encore un effort, reconnaissez l'objectif qui est le vôtre et là où vous aboutirez nécessairement. Merci. Monsieur Arnaud Leroy.
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, écoutez, nous sommes là depuis quasiment une semaine. GPA, PMA, moi j'ai une demande, Monsieur le Président. Pourriez-vous offrir des sonotones aux membres de l'opposition pour être sûr que la semaine prochaine, nous pouvions parler du texte? Donc, premier point, et j'entends parler d'enfants Playmobil, et vous vous faites les défenseurs de la famille. Arrêtez de prendre les enfants comme des boucliers, une nouvelle sorte de bouclier humain. Et là, je parle en tant que père. Vous n'avez pas le monopole de la famille, vous n'avez pas le monopole des enfants, surtout quand je les vois prier à 4 ans sous la pluie avec vos amis de Civitas. Troisième point, monsieur, j'aurais aimé avoir une étude d'impact sur le coût de l'effacement de la valeur d'égalité sur les frontons des bâtiments de la République. C'est ça aussi dont il devrait parler. Voilà, vous plaît. Monsieur, c'est pour ça que le groupe socialiste rejettera en bloc cet amendement. S'il vous plaît, nous ferons... Ah ben, il a fini. Monsieur Mariton, pour répondre au gouvernement. Vous défendez la PMA et dans un des passages clairs de son rapport, à partir de la page 91, le rapporteur parle explicitement, entendez que l'on travaille autour du rapport du rapporteur, il parle d'un enjeu d'égalité et de liberté, il parle d'un enjeu de cohérence et il parle d'un enjeu de santé publique. Cela mérite qu'on s'y arrête. Ce que nous refusons, c'est la banalisation de la PMA. Ça n'est pas l'existence d'enfants. Nous savons, monsieur le rapporteur, qu'ils existent et nous cherchons pour tous les enfants d'apporter les meilleures réponses. Mais en réalité, ce qui nous inquiète, c'est que votre majorité et que le président de la République, dans sa campagne, avait coché toutes les cases des débats de société. Le mariage des personnes de même sexe, la PMA, nombre de membres du gouvernement et de la majorité sont favorables à la GPA, l'euthanasie, avec les débats et les propositions engagées, l'évolution de la législation en termes de recherche sur l'embryon. Pendant de nombreuses décennies, notre pays a su vivre, nous avons su vivre ensemble, avec un certain consensus dans ces questions à la fois importantes et délicates, dans lesquelles il faut réunir plutôt que de diviser. Et là, vous faites le choix de banaliser la PMA dans votre propre proposition, monsieur le rapporteur. Oui, nous confirmons que la PMA est utile quand il s'agit de résoudre une infertilité pathologique, que ces questions ont longtemps fait l'objet d'un consensus, que des travaux réunissant des compétences, des expressions, Conseil consultatif national d'éthique, États généraux pour la bioéthique, ont permis de former cela. Et que c'est une grave responsabilité que vous prenez avec ce texte, les effets qu'il entraîne, le mariage comme instrument plus que comme objectif, c'est une grave responsabilité que vous prenez d'ouvrir cette voie de la banalisation de la PMA. Merci, monsieur Yann Gallu. Oui, mes chers collègues, nous sommes nombreux à être en séance depuis mardi, quels que soient les bancs. Et moi, ce que je constate et ce qui me marque, c'est qu'on sent quelque part que vous savez, au fond de vous-même, que vous avez perdu la bataille idéologique et la bataille politique. Et à partir de là, vous ne faites qu'une seule chose. Vous détournez le débat, vous parlez de toute autre chose. Et pourquoi vous êtes arrivé à cette conclusion-là? Parce qu'on est certain, dans cet hémicycle, à avoir vécu la même chose il y a une quinzaine d'années. On était quelques-uns à débattre, comme on le fait, peut-être d'ailleurs beaucoup plus violemment, et je tiens à le dire, que notre débat d'aujourd'hui. Et le pacte s'est passé. Quelques années après, vous l'avez amélioré. Et sur le mariage pour tous, ça va être exactement la même chose. On a le débat aujourd'hui. Vous détournez le débat. Alors, vous nous avez dit dans un premier temps, il n'y a pas de débat. Nous voyons bien qu'il y a un débat. Vous nous avez dit dans un deuxième temps, le référendum, le référendum, le référendum. Il y a deux jours, vous avez insisté sur la GPA. Ce matin, c'est la PMA. Hier, c'était la clause de conscience au niveau des maires. Eh bien, recentrons-nous sur notre débat. Et moi, je dois vous dire,
Je fais partie des parlementaires qui sont quelque part un peu choqués quand vous instrumentalisez de telle manière les enfants. Vous avez eu des mots extrêmement durs. Vous avez parlé, mais vous vous rendez compte, ils nous écoutent. Vous avez parlé d'enfants objets. Vous avez parlé d'enfants Playmobil. Comment peut-on qualifier des enfants de Playmobil ? Mais je pense qu'il est nécessaire que vous repreniez vos esprits. Et je dirais une dernière chose pour conclure. Nous sommes dimanche. Le débat est beaucoup plus calme. J'espère qu'il va continuer dans ce ton-là. Il nous reste, mes chers collègues, 4100 amendements à examiner. Et vous nous accusez de ne pas attaquer les vrais problèmes, que sont le chômage, les problèmes économiques. Alors, faisons en sorte de terminer ce débat, faisons en sorte d'avancer et faisons en sorte de donner les mêmes droits. Merci, monsieur Gallu. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix, je le rappelle, l'amendement 882 et les amendements identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 333. Suffrages exprimés 331. Majorité absolue 166. Pour 111. Contre 220. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et je donne la parole à Monsieur Darmanin pour un vrai rappel au règlement. Oui, bien sûr, Monsieur le Président, un vrai rappel au règlement sur la base de l'article 58.1 pour répondre à Monsieur le maire et un petit peu aussi à Monsieur Gallu. Nous ne sommes pas... S'il vous plaît. Vous ne répondez pas aux orateurs, vous intervenez sur la séance. Non mais tout à fait, mais bon, le coup des sonotones, j'ai mal entendu, Monsieur le Président, c'est sans doute pour ça. Sur l'article 58.1, parce que nous ne sommes pas dans un western, avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Nous n'avons aucune leçon morale à recevoir de la part de gens qui majoritairement voulaient mettre M. Strauss-Kahn à la présidence de la République. Alors gardez vos leçons de moralité, faites la loi de la République et arrêtez avec votre bien-séance bien-pensante. Monsieur Darmanin. Faites attention. Pour ceux qui ont des sonotones, vous venez de les faire sauter. Hein. Allez, on en vient à l'amendement numéro 1610 de Madame Buffet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, calmez-vous, chers collègues, calmez-vous. Allez. Nous reprenons tranquillement l'étude des amendements. Cet article additionnel prévoit l'établissement de la filiation pour les deux membres du couple ayant recours à l'assistance médicale à la procréation lorsqu'il s'agit d'un couple de deux femmes, que l'AMP ait eu lieu ou non sur le territoire français. Il complète le dispositif d'extension de l'AMP à ces couples prévus dans notre amendement numéro 1613. À mes yeux, le cœur du débat de la filiation doit être fondé sur l'engagement parental. En l'espèce, les lois de bioéthique ont consacré la valeur de l'engagement du compagnon stérile lors d'une PMA avec don de gamètes. Le compagnon de la mère a accès aux mêmes facilités pour faire reconnaître sa filiation qu'un père biologique. Cette vérité selon laquelle ce sont l'amour et l'engagement parental qui fondent la filiation doit nécessairement s'appliquer pour les couples de femmes homosexuelles. Dans un couple de femmes, aussi bien la femme qui a porté l'enfant que celle qui l'accompagne sont mères toutes les deux. Cet amendement garantit à chacune, membre de ce couple, la même responsabilité et le même engagement. Cela garantit de la stabilité à la famille, une assurance pour l'avenir et donc cela donne une garantie à l'enfant, cela garantit les droits de l'enfant. Comme je le disais hier, quand l'on a des parents de plein droit, nous sommes enfants de plein droit. Cela concerne, mesdames les ministres, de nombreux enfants qui ont pleinement besoin que la République leur donne toutes les chances de s'épanouir. Merci, madame Buffet. Monsieur Coronado pour le 2157. Merci, monsieur le Président. Je me permettrai, en début d'intervention, de citer un de mes collègues. La PMA pour les couples d'homosexuels, c'est une question dont on sait qu'elle sera sous-jacente pendant le débat sur le mariage. Autant la poser et pourquoi pas essayer de la résoudre au moment même du débat sur le mariage pour tous,
déclaré mon collègue Leroux au mois d'octobre. Donc le groupe écologiste qui pensait à l'époque, dans les mêmes termes, qu'on pouvait en fait avancer d'un même élan sur la question de la PMA et de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et à l'adoption, a maintenu sa cohérence et a déposé cet amendement. Je ne ferai pas la défense que vient de faire assez brillamment ma collègue Buffet. Je tiens simplement à dire que concernant la question de la PMA, j'ai l'impression de revivre les mêmes débats qu'il y a eu sur l'avortement. On veut se voiler la face, utiliser des œillères pour ne pas voir la réalité des faits. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui se déplacent en Belgique, en Espagne ou ailleurs et qui font des bébés Thalys. Alors, on les condamne, on appelle ça du tourisme procréatif. Il y a également, et vous le savez aussi, chers collègues, qu'il y a des PMA artisanales qui tombent sous le coup de la loi en France et qui posent un certain nombre de questions qui relèvent de la santé publique. C'est pourquoi nous avons décidé de mener ce débat ici et maintenant. Nous ne pensons pas d'ailleurs que la question soit tranchée. Souffrez, chers collègues, et je m'adresse ici à mes collègues de l'opposition, puisque nous ne sommes pas socialistes et nous n'avons pas participé, semble-t-il, au dialogue entre l'exécutif et le groupe majoritaire. Nous ne sommes pas aujourd'hui convaincus que cette question, contrairement à vous, membres de l'opposition, viendra dans le cadre de la loi famille. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur cette question, puisque le président de la République a décidé de saisir le Comité national d'éthique. Je vous rappelle que le Comité national d'éthique a déjà rendu un avis sur cette question de l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe. C'était en 2005. Il s'y opposait. J'ai entendu d'ailleurs mon collègue Claes, hier, qui est intervenu au nom du groupe socialiste, qui n'a pas dit qu'il était favorable à l'ouverture de la PMA dans le cadre du projet de loi famille qui est annoncé pour le mois de mars. Il était plutôt d'accord avec les membres de l'opposition pour renvoyer ça à un hypothétique débat bioéthique. Donc moi, je voudrais, sur cette question-là, que nous ayons un débat franc, serein et clair pour avoir des garanties sur la question de la PMA. Si ce n'est pas maintenant, ça ne peut pas être jamais. Alors, sur le vote de l'amendement numéro 2157, je suis saisi par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, si vous voulez bien nous donner votre avis. Merci, sur ces Monsieur deux le Président. Amendements. Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, je donnerai également l'avis pour les amendements suivants, 1613 et 2705, qui procèdent de la même logique, les uns, les premiers, modifiant les articles du Code civil relatifs à la filiation des enfants nés par PMA, et les deux autres, modifiant l'accès à la technique de PMA dans le Code de santé publique. Donc je donnerai l'avis, qui est un avis défavorable pour les quatre amendements. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai rappelé dans le rapport, et cela s'est imposé assez rapidement à nous lors des auditions et des différents travaux, débats qui ont débuté maintenant il y a fort longtemps, que la PMA est un sujet indéfectiblement lié, imbriqué, dans la question du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe. Cohérence, je l'ai dit dans le rapport, par cohérence, parce qu'effectivement, nous savons tous que l'adoption ouverte à travers ce projet de loi sera aussi l'adoption intrafamiliale et qu'il n'est pas imaginable, qu'il n'est pas cohérent, logique, de pouvoir permettre l'adoption intrafamiliale dans les couples de femmes sans prévoir la naissance des enfants. Et c'est pour cette raison que tous les pays du monde qui ont ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe autorisent l'AMP pour les couples de lesbiennes. Il n'y en a qu'un qui ne l'autorise pas, c'est le Portugal, tout simplement parce que le Portugal ne permet pas la filiation, a ouvert le mariage et se pose aujourd'hui la question de la filiation seulement. Cohérence, j'ai dit raison de santé publique également, parce qu'il n'est pas acceptable que l'on puisse laisser, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, que l'on puisse laisser des femmes françaises être obligées d'aller en Belgique, je l'ai dit, aux Pays-Bas, en Espagne, pour des protocoles médicaux très lourds. Et moi, j'ai été très frappé, probablement avec Philippe Gosselin, lorsque nous sommes allés en Belgique voir des médecins. On leur a posé la question, dans quel état sont ces femmes françaises qui viennent dans vos hôpitaux pour pratiquer ces examens? On s'attendait tous à une question. En fait, quand on posait la question, on voulait entendre une réponse dans un état de stress. Et le stress, dans ces
dans ces cas-là, dans ces protocoles-là, dans ces démarches-là pour les femmes, n'est quand même pas très favorable. Ce n'est pas la réponse qu'ils nous ont donnée. Elles nous ont pas dit non, elles ne sont pas particulièrement stressées, elles sont très cohérentes avec leur projet. Par contre, elles ont un sentiment d'humiliation très fort, d'être obligées de quitter son pays pour aller en Belgique, à Bruxelles, pour aller en Espagne, à Barcelone, pratiquer l'AMP. Elles vont là-bas avec un sentiment d'humiliation qui faudrait bouger. Et raison de santé publique, enfin, ça l'a été dévoilé plus ou moins dans les prises de position des uns et des autres, parce que pour les femmes qui ne peuvent pas aller en Belgique, c'est l'insémination artificielle artisanale, comme on dit, qui est pratiquée dans des conditions sanitaires très risquées pour les femmes. C'est pratiqué dans notre pays. Il ne faut pas faire des gros yeux, monsieur Accoyer. C'est pratiqué, oui, avec une seringue. On cherche un donneur. On peut le trouver sur Internet maintenant. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas jeter un voile pudique là-dessus en disant ça n'existe pas. Ça existe dans notre pays. Mais ce débat, et on l'a montré, ce débat sur l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes pose des questions qu'il faudra traiter dans un grand débat. Plusieurs portes ont été ouvertes et plusieurs réflexions ont été ouvertes. La question de l'accès aux origines, certains d'entre vous l'ont évoqué. La question du remboursement par la sécurité sociale, c'est un sujet en soi. La question de l'accès aux femmes célibataires, puisque la plupart des pays qui ouvrent l'AMP aux couples de femmes l'ouvrent aussi aux couples de femmes célibataires. Il y a même un certain nombre de pays, dont j'ai oublié la liste, mais je l'ai, qui ouvrent l'AMP aux couples de femmes célibataires, mais pas aux femmes célibataires, mais pas aux couples de femmes lesbiennes. Donc la Grèce, la Finlande, Israël, la Roumanie, entre autres. Donc cette question, elle devra se poser. C'est pour cette raison que il est préférable, sans doute, et la Commission en a jugé ainsi, que ces questions-là soient évoquées dans la prochaine loi famille annoncée par le gouvernement. C'est pour cette raison qu'elle a donné un avis favorable à ces 4 amendements. Merci. Avis du gouvernement. Défavorable. Avis du gouvernement. Monsieur Breton. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, d'abord, je veux saluer l'engagement de plusieurs années de Madame Marie-Georges Buffet sur ces questions-là. Donc, avec le recul qu'apporte cet engagement de plusieurs années, l'engagement constant aussi des députés verts et la forte implication de Monsieur le député Sergio Coronado. Alors, nous ne traitons pas de l'AMP. Nous ne traitons pas de l'AMP dans ce texte et cela vaut aussi pour ces deux amendements. Vous abordez le sujet sur la base de la filiation. Et sur la base de la filiation, il y a lieu effectivement de considérer comment la filiation peut être établie par le deuxième parent dans ces cas-là. Il y a des problèmes, nous avons relevé une difficulté juridique et une difficulté technique dans les amendements. Une des difficultés juridiques, c'est la référence à l'article 311-20 sur le consentement, sur le consentement des conditions dans lesquelles la filiation est établie et les conditions d'interdit de la revendication de la filiation par le tiers d'honneur, vous le savez, c'est inscrit dans notre texte. Vous n'avez pas procédé à l'adaptation nécessaire. Je rappelle que la filiation est dans la proposition que vous faites. La conjointe n'a pas le choix, c'est-à-dire que la disposition est automatique comme dans la présomption de paternité. La différence, c'est que dans la présomption de paternité, il y a une possibilité de contestation en cas de contentieux. Dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de contestation, puisque dans la présomption de paternité, la contestation est fondée sur des éléments biologiques, alors que dans ce cas-là, nous n'aurions pas d'éléments pour fonder la contestation de la conjointe qui pourrait dire qu'elle ne souhaite pas assurer la deuxième filiation. Donc sur ce point de liberté,
Nous pensons qu'il est bon de travailler encore ces dispositions. Nous admettons que le sujet est réel, qu'il est important, mais nous voudrions, quand nous serons en mesure d'apporter une réponse de droit, qu'elle soit la plus efficace possible et que nous évitions, dans le souci de stabiliser un lien de filiation, de limiter la liberté d'un membre du couple. Donc le gouvernement aurait souhaité, dans l'état actuel, le retrait de cet amendement. À défaut, c'est un avis défavorable, en sachant que nous serons appelés à travailler le sujet. Merci, Madame la Garde des Sceaux. Monsieur Mariton. Oui, le rapporteur, les auteurs des amendements reconnaissent qu'il n'y aura pas beaucoup d'adoption après le projet de loi, si par malheur il est voté. Et comme nous le disons, à bien des égards, ce projet de loi, c'est mariage pour tous, adoption pour personne, tant il n'aura que peu d'effet pour l'adoption des personnes de même sexe, et tarira l'adoption, compliquera les conditions de l'adoption pour les couples hétérosexuels. Alors, que proposez-vous? Vous proposez, s'agissant de l'assistance médicale à procréation, soit une légalisation maintenant, soit une légalisation par les effets. Vous nous dites, il y a des personnes qui procèdent, il y a des enfants, et donc il faut en tirer les conséquences. C'est évidemment un raisonnement que nous ne suivons pas, et cela depuis le début. Madame le ministre vient de le reconnaître, la PMA est dans vos perspectives, ça n'est pas dans les nôtres. Puis-je aussi poser une question à Monsieur Coronado? Lorsque l'assistance médicale à la procréation est autorisée à l'étranger, il est des pays étrangers où elle est autorisée à un couple, il est des pays étrangers où elle est autorisée à une personne célibataire. Et donc, clairement, votre amendement 2157, c'est une présomption de parenté étendue au couple de même sexe. À partir du moment où vous étendez la présomption de parenté au couple de même sexe, vous cassez la présomption de paternité qui existe actuellement dans le mariage et vous abîmez gravement le mariage, non seulement pour les couples de même sexe, mais pour l'ensemble des couples. C'est ce que nous démontrons depuis le début. Votre texte a un effet pour tous et il abîme la situation actuelle pour tous. Vous ouvrez une présomption de parenté pour des couples de femmes. Donc, compte tenu de la fiction que cela représente, vous tuez la présomption de paternité dans des couples hétérosexuels et vous faites disparaître, comme Madame Mazetier d'ailleurs le demande, un des éléments fondamentaux, un des éléments solides et stabilisateurs du mariage tel qu'il existe aujourd'hui. Merci. Monsieur Noël Mamère ou Monsieur Coronado, choisissez. Non, tout à fait rapidement, je crois que M. Mariton ferait bien de relire l'ensemble de l'alias qui a été distribué, puisque nous proposons également une présomption de parenté, comme au Québec, sur la question que vous venez d'aborder. Donc je laisse mon collègue Noël Mamère qui souhaitait intervenir en effet sur le fond. Alors c'est moi qui le laisse. Monsieur Mamère. Merci Monsieur le Président pour votre grande mansuétude. Donc les écologistes n'ont jamais avancé masqué sur cette affaire. Nous avons toujours dit que pour nous, le projet de loi mariage pour tous et adoption, évidemment, avait une grande influence sur la question de la filiation et qu'on ne pouvait pas délier la question de la filiation de la question du mariage. Je voudrais répondre à notre collègue Verpillière pour lui dire qu'il a prononcé une contre-vérité tout à l'heure en disant « Notre collègue Noël Mamère s'est prononcé pour la PMA et pour la gestation pour autrui ». Autant nous nous prononçons pour la PMA et nous considérons que ce sujet doit être traité aujourd'hui dans le cadre de cette loi et non pas renvoyé à une loi sur la famille. Autant sur la question de la gestation pour autrui, nous n'avons pas pris de position. La seule position qui est la nôtre et qui a été confirmée par la circulaire de Madame Taubira, c'est effectivement l'intégration dans la nationalité des enfants nés à l'étranger. C'est une protection juridique, ce n'est pas le droit à l'enfant, c'est le droit de l'enfant. Sur la question de la procréation médicalement assistée, effectivement, avec Marie-Georges Buffet et un certain nombre de nos collègues, nous menons depuis longtemps un combat pour sortir en quelque sorte de l'hypocrisie.
Parce qu'en fait, quand notre collègue Mariton nous dit vous faites le mariage pour tous et l'adoption, mais vous ne pourrez pas adopter. Mais nous savons qu'il y a très peu d'enfants adoptables. Mais la conséquence que nous voulons dans cette loi, elle n'est pas extra-familiale, elle est infra-familiale. C'est pour permettre justement à des couples homosexuels qui aujourd'hui élèvent des enfants qui ont été adoptés par l'un des deux, puissent bénéficier des mêmes droits sur cet enfant et protéger cet enfant. Donc ça a des conséquences infra-familiales. Et nous disons à Madame la garde des Sceaux que nous ne faisons ici aucun procès. Elle a toujours dit que la PMA ne faisait pas partie de ce projet de loi. Mais il a été annoncé une loi sur la famille qui ne se prononcerait pas simplement d'ailleurs sur la PMA, mais sur la question de la coparentalité, sur la question du droit à connaître ses origines. Et nous, ce que nous attendons, c'est de la part du gouvernement à la fois un calendrier et des engagements. Je dis ici, et ce n'est pas polémique, que nous doutons fort que le gouvernement soit capable juridiquement, par rapport notamment au Conseil d'État, à présenter une loi sur la famille qui a des implications juridiques très importantes d'ici le mois de mars. Et que sans doute il sera appelé à reporter cette loi. Et donc je reprends les propos qui ont été tenus par mon collègue Sergio Coronado. Il faudrait que ce soit maintenant parce que nous avons bien peur que, sous la pression de l'opposition, le gouvernement recule sur une question qui est pourtant essentielle, qui permet de sortir de l'hypocrisie et de s'adapter à ce que doit être la famille aujourd'hui. Donc oui, nous défendons cet amendement et nous ne sommes pas prêts à le retirer. Monsieur Breton. Merci, Monsieur le Président. Deux éléments. Tout d'abord, par rapport à ce que vient de dire notre collègue Noël Mamère, je voudrais quand même lui rappeler sa position au moment des lois de bioéthique, où il avait proposé un amendement visant à légaliser la gestation pour autrui en l'encadrant. Je lis ce que vous disiez, Monsieur Mamère. Nos collègues du Sénat ont déposé une proposition de loi qui vise à légaliser la gestation pour autrui en la régulant, c'est-à-dire en supprimant le risque de la marchandisation. La mère porteuse serait indemnisée par la Sécurité sociale. L'amendement que j'avais initialement proposé était identique à cette proposition de loi, mais il a été jugé irrecevable au titre de l'article 40. Donc vous êtes pour la gestation pour autrui, très clairement, il faut le dire, vous, à titre personnel, mais c'est simplement pour la cohérence des propos. Deuxième élément, Monsieur le Président, je voudrais avoir la position officielle du gouvernement par rapport à la nécessité ou pas de tenir des états généraux avant l'élargissement de l'assistance médicale à procréation. Je lis très rapidement l'article du Monde, l'interview du président Jean-Claude Amezen, du président du Comité consultatif national d'éthique, qui dit, c'est le titre, c'est la question de la PMA justifie des états généraux. Il indique la loi encadre actuellement l'assistance médicale à la procréation de manière précise. Seuls les couples constitués d'un homme et d'une femme, pour des raisons médicales, empêchent de recevoir un enfant, peuvent y avoir accès. Mais d'autres demandes se font jour, notamment, et nous sommes en plein dans le sujet, l'accès des couples de femmes à l'assistance médicale à la procréation. Une autre liée aux avancées des techniques de congélation des ovocytes, c'est la vitrification dont je parlais tout à l'heure, concerne la possibilité pour les femmes de faire prélever et conserver leurs ovocytes afin de pouvoir envisager de recourir à l'AMP à un âge où leur fertilité sera compromise. Plutôt que de traiter ces questions au cas par cas, nous avons décidé de nous saisir de la question globale de l'assistance médicale à la procréation. Et je finis, nous pensons que cette question justifie une réflexion de fond de la société qui pourrait prendre la forme d'états généraux. Oui ou non, y aura-t-il des états généraux sur cette question de l'assistance médicale à la procréation ouverte? Merci. Monsieur Olivier Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Ça va? Il y a parfois des sujets compliqués sur lesquels il faut veiller à avoir une expression claire et je vais m'y employer. D'abord pour dire que la position du groupe socialiste sur ces deux amendements, l'amendement de Mme Buffet et l'amendement de M. Coronado, est exactement la même position que le rapporteur et celui de la ministre qui ont indiqué que le texte, que les questions relatives à la PMA pourraient être évoquées dans un second texte et qui par conséquent ont donné un avis défavorable. Par contre, je profite aussi de cette intervention pour peut-être mettre deux, trois choses au clair et dire à nos collègues de l'opposition que s'agissant de la PMA et de la position que tient le Parti Socialiste depuis maintenant longtemps, pardonnez cette expression un peu triviale, mais vous découvrez l'eau tiède. Le Parti Socialiste, depuis plusieurs années, a dit qu'il était favorable à l'accès de toutes les femmes à la PMA. Nous avons, à l'occasion des lois bioéthiques de l'année dernière, dit et défendu des amendements pour l'ouverture de la PMA
et nous étions un certain nombre à nous être exprimés dans ce sens. Monsieur Miard. Nous sommes même une quinzaine de députés socialistes à avoir déposé un amendement qui n'était pas identique à celui de Monsieur Coronado et Madame Buffet, mais qui était un amendement pour dire que nous étions favorables à réaffirmer dans la loi le principe de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et en renvoyant à un deuxième texte pour en fixer les modalités et voir notamment comment résoudre un certain nombre de difficultés liées au fonctionnement des SECOS, difficultés liées aussi au phénomène d'engorgement d'un certain nombre de centres qui ont été évoqués tout à l'heure par l'un de vos collègues. Nous avons pris acte de la décision du gouvernement et de la majorité de traiter ces questions en deux textes. Nous avons aussi pris acte du fait que notre amendement, de par sa rédaction, était irrecevable, mais je tenais à faire ces rappels-là. Hier, Bernard Romain a eu l'occasion de rappeler que nous étions favorables à l'ouverture de la PMA, que nous voulions la mettre en œuvre et a souhaité, comme l'a fait Noël ma mère à l'instant, avoir une idée un peu plus précise du calendrier et des modalités qui permettraient cette ouverture et cette mise en œuvre. Cette question des engagements, en tout cas cette question du calendrier et des modalités, me paraît importante. Je conclue, Monsieur le Président, en une phrase pour dire et répéter qu'en l'état et sur ces deux amendements, la position du groupe est donc celle exprimée par le rapporteur et par la ministre. Dire aussi et qu'au-delà des positionnements, des avis, des orientations d'un certain nombre de nos collègues, y compris dans la majorité, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une liberté de parole, un certain nombre de textes d'orientation et de principes avaient été adoptés. Nous aurons un deuxième rendez-vous à travers la loi sur la famille et la parentalité pour traiter de ces questions-là. Et ce sera l'occasion de clarifier ces modalités d'accès. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix, je le rappelle. Ah non, pardon. Discussion commune. Donc je mets d'abord aux voix l'amendement 1610 présenté par Madame Buffet. Quels sont... À main levée, hein, sur celui-là. Non, celui-là est à main levée. J'ai annoncé tout à l'heure le vote à la demande du groupe écologiste sur le 2157. Donc, à main levée, je mets aux voix l'amendement 1610 présenté par Madame Buffet. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? Il n'est pas adopté. Je mets maintenant donc... On voit l'amendement 2157. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 309, suffrage exprimé 297, majorité absolue 149, pour 18, contre 279. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. J'en viens à des amendements identiques, le 1613 et le 2705. Je tiens à vous informer que sur les votes de ces deux amendements identiques, je suis saisi par les groupes écologistes et UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à Madame Buffet sur l'amendement 1613. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Rapporteur. Même si, Monsieur le Rapporteur, vous nous avez dit que vous aviez déjà répondu à ce deuxième amendement, je vais quand même le développer. Parce que je voudrais avoir l'occasion de parler de la procréation médicalement assistée de façon positive. En ouvrant le droit au mariage aux couples homosexuels, nous ouvrons à ces couples les droits découlant du mariage. Ainsi, le projet de loi traite à juste titre de l'adoption, ouvrant ainsi le droit à fonder une famille. Mon amendement vise donc l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes homosexuelles. Le droit à la PMA a fait l'objet d'un long et passionnant débat dans cet hémicycle avant d'être établi et confirmé lors des lois bioéthiques. Je n'ose penser qu'ici des collègues puissent vouloir le remettre en cause. L'accès à ce droit est conditionné à un projet de vie commun, à un engagement des deux membres du couple envers l'enfant à naître. Rien dans l'énoncé des conditions établies ne va à l'encontre de l'ouverture du droit à tous les couples attestant du même engagement parental. L'ouverture de la PMA aux couples de femmes ne remet pas en cause les principes éthiques affirmés par la loi
et auquel je souscris pleinement, de non-marchandisation du corps et d'anonymat des dons de gamètes ou autres conditions d'âge, car messieurs de l'opposition, il y a une condition d'âge dans la PMA, 42 ans révolus. Je sais, mesdames les ministres, que vous reconnaissez la validité de cette proposition, puisqu'au moment même où le groupe majoritaire a retiré un amendement équivalent à celui que je présente, vous avez annoncé que la PMA serait examinée lors d'une future loi sur la famille. L'avis du Comité consultatif national d'éthique a été sollicité. Je regrette que celui-ci ne l'ait pas été plus tôt. Cela nous aurait permis de bénéficier d'un avis dès l'examen de cette loi. Nos collègues de l'opposition font un lien entre la PMA, droit reconnu en France, et la GPA, qui, elle, je m'en félicite, est interdite. Pourtant, la différence est fondamentale, et je tiens à le répéter. La GPA, c'est l'utilisation, voire le plus souvent la marchandisation du corps de la femme, ce qui n'est en aucun cas tolérable. J'y suis fondamentalement opposée. La PMA, c'est une femme qui porte son enfant grâce à un don anonyme. Car comme vous le dites, chers collègues de l'opposition, mais c'est une évidence, un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Mesdames les ministres, pour beaucoup de couples de femmes, cet accès à la PMA avec les garanties apportées par la loi française sur les droits de l'enfant serait un formidable espoir. Si cette disposition n'est pas retenue dans cette loi, j'espère que vous donnerez alors date pour que cette réponse, qu'il y ait une réponse à cette attente. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Coronado. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit par cet amendement similaire à celui présenté par ma collègue Buffet de modifier le code de la santé publique. Et je tenais à dire, parce que j'entends les collègues de l'opposition intervenir sans cesse et rappeler le caractère pathologique nécessaire en fait pour bénéficier d'une PMA, que sans être similaire, la situation d'un couple de même sexe est un peu analogue, puisque il s'agit d'une sexualité non reproductive, parce que dans un couple aujourd'hui hétérosexuel bénéficiant d'une PMA, la femme n'est pas stérile et il n'y a pas de traitement thérapeutique pour s'attaquer à la stérilité du mari. Simplement, il s'agit de faire bénéficier à la femme fertile d'un don de gamètes qui lui permettra d'être mère. Donc, dans le même esprit, nous pensons que ce type de démarche puisse aujourd'hui bénéficier en fait aux couples de femmes, puisque non seulement elles le font, comme je l'ai rappelé, de manière artisanale en France, à la fois en tombant sous le coup de la loi et en mettant en danger parfois leur santé, et puis elles se déplacent, comme à une époque les femmes se déplaçaient pour avorter quand c'était totalement interdit en France. Vous parliez à l'époque de tourisme contraceptif, vous parlez aujourd'hui de tourisme procréatif. Et comme pour l'avortement, vous viendrez à un moment donné à vous poser la question, parce qu'on n'échappe pas au réel, et aujourd'hui quand les gens souhaitent avoir des droits, ils se projettent non pas uniquement dans l'espace national, mais également européen et mondial. Donc voilà, c'est la proposition des écologistes de permettre que les femmes puissent bénéficier de ce droit. Je voudrais m'adresser de manière assez solennelle au gouvernement. Il n'y a pas de notre part une mise en cause ou un procès intenté à la garde des Sceaux. Elle a toujours été claire, son projet ne concernait pas la PMA. Cela dit, il a été annoncé un accord passé avec le gouvernement par le groupe majoritaire. Nous souhaiterions avoir, puisque ni la garde des Sceaux, ni monsieur le rapporteur ne sont concernés par la future loi famille directement, ce ne sera pas M. Binet qui sera rapporteur du projet de loi et ce ne sera pas Mme Taubira qui sera la principale ministre à porter ce projet de loi. Je souhaiterais que M. le ministre chargé des relations avec le Parlement ou Mme Bertinotti nous donne à la fois la méthode, le calendrier, le périmètre et si oui ou non la PMA figurera dans le projet de loi famille. On a besoin d'être éclairé. On ne peut pas simplement se contenter d'annonces, d'effets de manche ou d'accords passés entre l'exécutif et le principal parti de la majorité. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le président, j'ai déjà indiqué dans mes développements précédents sur les deux amendements votre que la commission position. Avait donné un avis défavorable. Avis du gouvernement. Avis du gouvernement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur ces deux amendements, le gouvernement émet un avis défavorable. Non pas sur le fond, Madame la ministre Buffet, Monsieur le député Coronado, mais pour les raisons que nous avons indiquées tout à l'heure, nous sommes sur ce texte-là pour l'instant et vos amendements concernent un autre texte. Voilà. Donc, vous savez, Madame la ministre Buffet, l'estime que je vous porte, l'amitié en plus, et le plaisir que j'aurais eu à vous dire à quel point
le respect que je porte à votre travail me conduit à considérer que vous avez étudié les choses au fond. Voilà, mais compte tenu du texte et de la rigueur juridique que nous nous devons à nous-mêmes et que surtout nous devons aux Français, le gouvernement est obligé d'émettre un avis défavorable. Monsieur Aubert, s'il vous plaît, Monsieur Breton. Alors j'espère que le, Madame le ministre souhaitera répondre, parce que pour une fois je suis d'accord avec nos collègues communistes et verts, eux au moins ont le mérite d'assumer leur position, et je n'ai toujours pas compris où était le Parti socialiste aujourd'hui. Vous voyez, ce problème de la PMA est intéressant parce que nous sommes partis en disant nous voulons plus d'égalité et nous en arrivons à une situation d'inégalité. Trois types d'inégalités. Premièrement, vous nous expliquez que l'adoption et la PMA, ce sont deux sujets différents. Je ne suis pas d'accord avec vous. À partir du moment où on considère qu'un couple homosexuel a le droit d'adopter un enfant, alors je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais à la limite, c'est peut-être moins choquant de dire « je fais un enfant, moi, par une insémination, etc. » que j'adopte un enfant extérieur au couple. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire d'un côté il y a l'adoption, de l'autre côté il y a la PMA. Première situation d'inégalité. Deuxièmement, vous créez une deuxième situation parce que la PMA, vous allez l'autoriser pour les femmes et pas pour les hommes. Et puis troisième situation d'inégalité, vous allez avoir entre les couples hétéros et les couples homo, puisque je l'ai déjà dit, pour les couples hétérosexuels, il faut prouver sa stérilité. Pour les couples homosexuels, vous n'aurez pas à prouver la stérilité. Il faudra donc prouver votre sexualité, ce qui, à mon avis, est un sujet qui va être assez coton à organiser. Le problème de tout cela, c'est qu'en réalité, vous inventez une présomption de stérilité. Et ça, c'est un sujet qui est assez glissant. Parce que vous êtes en train de nous expliquer que, de la même manière que pour les couples hétérosexuels qui doivent prouver leur stérilité pour pouvoir avoir accès à la PMA, un couple homosexuel, c'est la même chose. Donc, vous assimilez homosexualité et stérilité, ce qui, à mon avis, médicalement, est très dangereux. Et d'ailleurs, vous avez parlé, M. Coronado a commencé à parler de sexualité non reproductive. En réalité, derrière tout ça, le problème, c'est que dès le départ, vous êtes parti du principe qu'il y avait un problème de discrimination sur les droits. Or, le problème pour une personne homosexuelle n'est pas lié au droit. Il a le droit, tout le monde en France a le droit de se marier. Simplement, ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème d'institution, de forme d'institution qu'est le mariage. À partir du moment où vous vous êtes écarté de la réalité biologique sur le mariage homosexuel, il est possible d'inventer toutes sortes de droits. Et c'est le problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout de votre logique. Merci. La parole est à Marie-Georges Buffet. Oui, d'abord, je voudrais, avec tout mon respect, dire aux collègues de l'opposition que je n'ai que faire de leurs applaudissements, des applaudissements d'hommes et de femmes qui combattent le mariage pour tous et toutes, qui s'opposent au droit des couples homosexuels à fonder une famille. Donc, vous savez, je n'ai vraiment aucun point commun avec votre vision complètement dépassée de la société. Madame la ministre, avec tout le respect et l'amitié que je vous rends bien et toute l'admiration que je vous porte à travers la façon de vous porter avec beaucoup de rigueur mais aussi de sens le débat que nous menons ici depuis plusieurs jours. Madame la ministre, tout simplement, ce que nous aimerions, ce que j'aimerais savoir, c'est comment nous allons maintenant travailler pour aboutir à cette loi famille et dans cette loi famille aux dispositions sur la PMA. Et j'aurais même aimé, si nous avions pu apprendre aujourd'hui un peu plus quel est le contour de cette loi famille dont on nous parle, essayer de nous donner les éléments nous permettant, même si nos amendements sont battus, de pouvoir au moins donner à voir d'un espoir. Monsieur le Président Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis au moins une quinzaine d'années,
Nous avons l'habitude dans cet hémicycle souvent de nous affronter avec, avec M. Mamère parce que nous avons beaucoup de désaccords de fond. Et là, je voudrais lui apporter à lui et à son groupe un soutien complet sur la question qu'il vient poser. En effet, depuis bientôt une semaine, depuis quatre jours, sans cesse, chaque jour, j'interroge Madame la ministre pour lui demander sa position sur la PMA ouverte à l'ensemble, à tous les couples pour convenance personnelle. À aucun moment, elle n'a accepté de nous répondre. J'ai interrogé la ministre de la Famille sur ce sujet. À aucun moment, elle n'a accepté de nous répondre. Hier, Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé, est venue dans l'hémicycle le temps d'une photo et dès que nous l'avons interrogée sur le sujet, elle a fui en rasant les murs. Elle a refusé de nous répondre sur ce point. Donc aujourd'hui, en soutien au groupe écologiste, Madame la Ministre, à nouveau, nous vous posons cette question. Quelle est votre position sur la PMA pour convenance personnelle ? À partir du moment, donnez-nous oui, la nature de l'accord, à partir du moment où vous accepteriez le principe de la PMA pour convenance personnelle, c'est toute la présomption de paternité au sein des couples qui tombe. C'est donc notre droit de la filiation qui est totalement remis en cause. Et il est extrêmement important que nous ayons à cette heure, sur ce débat, la position précise du garde des Sceaux sur ce sujet. Monsieur Noël Mamère. Oui, c'est vrai qu'avec notre collègue Jacob, nous avons souvent des affrontements. Et effectivement, là, il est en train d'essayer d'instrumentaliser une demande formulée par les écologistes. Mais bon, alors, nous allons dire, puisque c'est dimanche matin et que nous ne pouvons pas entendre le son des cloches dans cet hémicycle, que c'est l'hommage du vice rendu à la vertu. Nous n'avons jamais interpellé Madame la garde des Sceaux sur la question de la PMA. Comme l'a très bien dit Sergio Coronado tout à l'heure, nous interpellons effectivement le ministre chargé des relations avec le Parlement ou la ministre de la Famille, mais pas dans le même sens et le même objectif que vous, puisque nous défendons la PMA. Il y a quand même, pardonnez-moi, cher collègue président Jacob, une formule qui est plutôt choquante quand vous parlez de PMA pour convenance personnelle. C'est quand même une insulte à ceux qui veulent fonder une famille et qui n'ont pas la même orientation sexuelle que les hétérosexuels. Et lorsque l'on accepte la PMA pour des couples infertiles, doit-on dire qu'il s'agit de convenance personnelle ? Non, il s'agit de la volonté. Il s'agit de la volonté de permettre à tous de pouvoir bénéficier d'une famille. Donc effectivement, ceux qui invoquent l'argument selon lequel la présomption de paternité est remise en cause par nos propositions. Oui, tout à fait, nous acceptons cet argument en disant que pour nous, la filiation, elle est fondée d'abord sur la volonté et c'est ce que nous continuerons à défendre. Monsieur le Président Leroux. Cachez votre impatience, s'il vous plaît. Allez. Je vous ai senti tout à l'heure impatient d'entendre sur cette question la position du groupe qui a été fort bien exprimée par Olivier Dussopt. Ceux qui ont voté tout à l'heure contre cet amendement, et Madame la garde des Sceaux, vous avez dit que vous étiez en accord sur le fond avec un certain nombre des propositions, mais que cela ne vous semblait pas être le moment du débat. C'est la position qui a été la position adoptée par le groupe socialiste. Et donc tout à l'heure, dans l'expression qui s'est faite du groupe pour voter contre les amendements, Il y avait, je le dis très clairement, je vais vous dire les choses très clairement, il y avait un certain nombre de députés s'il vous plaît qui ne sont pas favorables à ce que nous avancions sur ce débat, et il y avait en même temps une large partie des députés qui, conformément d'ailleurs à la position qui est celle constante de notre parti, le Parti Socialiste, souhaitent que nous avancions sur cette question et pensent que la meilleure façon d'y arriver et la meilleure sécurité juridique n'est pas de le faire dans ce texte par un amendement parlementaire, mais de demander au gouvernement, dans le cadre d'une prochaine loi, d'avancer sur cette question. Et c'est aujourd'hui la position qui est la position du groupe. Je veux dire aussi, et je veux le dire aussi très clairement, qu'il s'agit
d'une discussion que le groupe socialiste a eue avec le Premier ministre, qui nous a assuré que dans le cadre d'une prochaine loi serait intégrée de la part du gouvernement, c'est-à-dire dans un projet de loi, la question de la PMA, ce à quoi nous souscrivons totalement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous refusons d'aller plus loin dans ce débat, pour ne pas poser de difficultés d'ailleurs qui viseraient à donner demain, si nous laissions parler la majorité, l'adoption d'un tel article, et en même temps derrière une censure possible qui retarderait demain cette avancée pour les couples qui sont les couples homosexuels de femmes. Et donc nous prenons chaque chose en son temps, et moi je souhaite que le gouvernement nous confirme, d'abord un, qu'il y aura bien prise en compte de cette question de la PMA dans un texte qu'ils déposeront prochainement, et deux, que le délai sera compatible avec, bien entendu, les différents examens auxquels doit procéder le gouvernement, avec le fait qu'il puisse y avoir un débat, mais nous voulons que, dans le délai le plus bref possible, il puisse y avoir la tenue de cet engagement. Alors, Madame la ministre, vous voulez vous exprimer pour répondre aux différents intervenants. Monsieur Gosselin. Non mais, Monsieur Gosselin, laissez parler le gouvernement. Je tiens tout d'abord à rappeler les propos de Jean-Marc Ayrault qui a expliqué qu'effectivement, pour tenir compte de la reconnaissance de la diversité des modèles familiaux qui existent aujourd'hui, il y aurait prochainement une loi famille. Cette loi famille, je vais en définir au moins déjà l'esprit et ce sera aussi une façon de répondre au président du groupe socialiste. Cette loi famille devra s'adresser indifféremment à toutes les familles, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Je le dis. Cette loi famille devra avoir aussi pour vocation d'assurer une meilleure sécurisation juridique compte tenu des réalités d'aujourd'hui. Cela suppose que nous nous interrogions sur les nouvelles formes de filiation, sur les nouvelles formes de parentalité, et nous verrons, dans le cadre de cette loi, les réponses les plus idoines y apporter. Nous veillerons aussi à ce que dans cette loi famille, droits des parents et droits des enfants soient en totale harmonie. Pour répondre très précisément aussi à la question qui a été posée à l'occasion de ces amendements, la question de la procréation médicalement assistée ouverte aux couples de même sexe sera abordée dans le cadre de cette loi famille. Je tiens à dire aussi, car cela fait partie des engagements du gouvernement, que cette loi sera examinée à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année 2013. Alors, je pense que les informations sont claires. Monsieur Jacob, Monsieur le Président Jacob. Non mais attendez, c'est... Mes chers collègues, je pense qu'on a assez parlé de cette question aujourd'hui. C'est peut-être, en ayant les précisions qui viennent d'être apportées par le gouvernement, une manière peut-être d'accélérer après la discussion. Donc je préfère que le Président Jacob puisse s'exprimer. Non, mais je prends ces encouragements comme un vrai soutien à intervenir plus régulièrement dans notre hémicycle. Nous venons de franchir un cap, mais je pense que ça mérite encore davantage de précision. Ça fait 4 jours que j'interroge les ministres pour savoir si effectivement quelle est leur position sur la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle, c'est-à-dire au-delà des raisons de santé. Sur ce sujet, nous n'avons jamais eu de réponse. Les Verts, les écolos nous ont rejoints ce matin pour organiser la pression sur le gouvernement. Merci à M. Leroux de nous avoir aussi rejoints pour à son tour organiser la pression sur le gouvernement. Manerbe, la ministre de la Famille, vient de répondre. Je n'ai pas entendu la garde des Sceaux. Mais il y a un problème. Non, je n'ai pas entendu la garde des Sceaux sur le sujet. Non, je regrette. Il y a une parole du gouvernement, Président Jacob. Vous le savez bien. Il n'est pas inintéressant d'avoir l'avis de la garde des Sceaux. Mais l'autre point qui se pose, c'est qu'après
l'intervention du président national du comité national d'éthique qui parle d'états généraux. Est-ce que, oui ou non, vous acceptez l'augure de ces états généraux sur ce sujet, ou est-ce que vous êtes prêt à inscrire le texte à l'ordre du jour de notre Assemblée sans avoir eu précédemment les états généraux demandés par le Conseil, par le Comité national d'éthique? C'est un point qui a toute son importance. Et voyez, c'est pour cela que depuis le début, nous demandons à ce que le Comité national d'éthique soit saisi bien avant l'étude de ce texte, parce qu'on voit que tous ces sujets sont liés. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, afin que nous clarifions complètement les choses, je souhaiterais avoir une suspension de séance et que le gouvernement, au retour, puisse clarifier... Non, mais que le gouvernement clarifie sa position. Est-ce que, oui ou non, il attend l'avis du Commissaire national d'éthique, ou est-ce qu'il est prêt à inscrire ce texte à l'ordre du jour en s'asseyant sur l'avis du Comité national d'éthique? Bon. Mes chers collègues, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de suspension de séance. Il a un point de vue. Alors très bien, la séance est suspendue pour 5 minutes. Je vous demande les uns et les autres de regagner vos places. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur les amendements identiques 1613 et 2705 que je vais mettre aux voix. Monsieur Dussopt. Alors, je vous prie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 242, suffrages exprimés 237, majorité absolue 119, pour 20, contre 217. L'Assemblée n'a pas adopté. Monsieur Mariton, pour un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, nous sommes tous ici, quelles que soient nos sensibilités politiques, pour servir l'intérêt général. Cela vaut dans cette Assemblée, cela vaut aussi pour les temps de dialogue et de rencontre que nous avons dans le pays. Et c'est ce souci de l'intérêt général qui doit motiver nos convictions et nos votes. Participant à une réunion ce matin à Évry, le rapporteur est témoin de mon départ matinal. J'étais en effet en retard en séance et je prie nos collègues et le président de m'en excuser. Ce retard a été imputé par M. Coronado à une affaire d'horaire de messe. Puis-je me permettre de vous rappeler, chers collègues, que nous sommes ici pour défendre les convictions qui nous paraissent utiles et heureuses pour la loi de la République. Et s'agissant de l'argument que vous évoquez, je pense qu'il est aussi utile que les députés de la République sachent lire. Et je vous renvoie à ma fiche Wikipédia. Merci. Je vais donner la parole au gouvernement, puisque le gouvernement a demandé. Madame Bertinotti, vous avez la parole. Oui, c'est pour apporter une précision supplémentaire à la déclaration liminaire que j'ai faite, pour vous indiquer, Monsieur Jacob, que la procédure du Comité consultatif national d'éthique, y compris celle des États généraux, n'est pas incompatible, bien évidemment, avec le calendrier annoncé par le gouvernement pour cette loi famille. Merci. Prochaine séance, cet après-midi à 15h, suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la séance est levée.